dis, ça fait quand même un moment où ça mais ça ne savait pas mais, que... Mais rien ne présageait... Oui, que ça devait être dès qu'on... Imminent. Dès qu'on est parti, les choses ont commencé à se passer. J'étais comme ça, je dis, Seigneur, waouh. Wow, parce que tu te, oui, tu te dis c'est que ouais, ça devait commencer quand j'étais là. Pourtant, on a duré, j'ai fait un mois. Ça, c'était août 2023. Mm. Août 2023. On a ici, c'est ici, on a fait préparer la guerre. Mm. Préparer, si vous n'êtes pas, vous voulez pas qu'on va combattre. Si vous, vous n'êtes pas chaud pour combattre, il faut, faut quitter. Parce que ça va d'abord, c'est que, ça, ouais. Que je suis nouveau. Dit que moi, je il n'aime pas la guerre. Il n'aime pas. Tu n'aimes pas la guerre. Mm. Et tu as expliqué comment les méchants, il a dit que non, là, déjà, là, non, lui, non, alors, quel était ton. D'abord, donne ton, raconte ton expérience depuis quand on était assis sur le table. Parce que Jean voulait faire comme ça, dérouler une deuxième phase qui va arriver. Qu'est-ce que. Rappelle-nous d'abord la première phase. Va d'abord là-bas, tu chantes comme tu chantais. Nous sommes déjà à l'atelier. Nous sommes non, on était dans la chambre. On était souvent dans les chambres. Et chaque matin. C'était vraiment tous les matins. C'était un rituel. Nous donc, sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Même les enfants arrivaient, ils disaient. C'est. Maman Hélène, ça a commencé. Ça commence, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là, on commence et quand déjà. Tu ne sors pas de la chambre. Hein. On chante à côté de ta chambre. On chante, mais voilà là. Les mêmes gens. On lui dit que va rester là-bas jusqu'à ce qu'elle sorte. À la porte. Je il reste justement que nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Et lui aussi, il dit qu'on n'entend pas bien. Il dit que nous sommes déjà là. Jusqu'à ce que tout le monde vienne autour de la table. Et on commentait les enseignements. C'était trop bien. Elle nous racontait, enfin, nous... On enseignait sur ce qui était en train d'arriver. Mais moi, je pensais que c'était encore lointain. Un peu lointain. Enfin, je ne pensais pas que ce serait tout de suite. Oui, comme toute la prophétie sera oui parce que ça fait un moment qu'il nous, il prépare. Il prépare au changement, au réveil. Ça fait quand même des années que tu prépares. Oh, ça a tellement duré que quand c'est proche, vous ne savez plus que ça arrive. Oui, quand c'est proche. Et le truc, c'est que c'était tous les jours, même quand nous sommes allés à Kribi. Tous ceux qui sont partis à Kribi avec nous. Même le caméraman de Genji qui nous était là. Nous sommes déjà là. Même lui, on dit souvent que chante seulement. Ah, nous sommes déjà là. Déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, donc, même nous là-bas, sommes déjà tous là. Les matins, nous sommes déjà nous là. Nous sommes déjà là. Préparer déjà la guerre. Là, et... comme ça, là, on rentre encore ici, on continue le même programme chaque matin. Même préparer. L'après-midi, quand il a un rendez-vous, oui, il part. On revient, on se retrouve. On se retrouve. Dès que j'attends, nous sommes déjà là, c'est ça a commencé. Ah, on oui, ça a commencé. Donc on fait qu'on fasse encore ça. Hein? Oui. Allons-y, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Et... nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Amen. Pour t'écouter. Amen. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Amen. Pour t'honorer. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Et... nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Et... nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Amen. Pour t'élever. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Et... nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Et... nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Le frère Aurélien va prier pour nous, on va commencer à donner des oracles sur la terre. Amen. Notre Dieu, notre roi, nous te disons infiniment merci pour tes grâces, pour tes merveilles dans nos différentes vies. Père Céleste, tu as permis que nous vaquions nos occupations, nous montions, nous descendons. Et nous voici encore, Seigneur, dans ta sainte présence. Nous te prions, Père, de nous fortifier, de nous assister.
et de nous révéler encore, Seigneur, ton plan parfait pour nos différentes vies. C'est dans le précieux de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen. 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 Les enfants sont venus, tu vois, personne, on les a appelés, on ne les a pas appelés. Vous voulez chanter aussi? Allons-y, chanter à le 3, chant. Nous sommes déjà là, nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là, et nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là, oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Très bien. Et maintenant, va prendre ma Bible, tu apportes ma Bible. Que le Seigneur te bénisse. Alors, pendant qu'elle prend ma Bible pour arriver, parce qu'elle avait donné des oracles, ça a été ici que nous avons commencé, comme tu as rappelé, en août 2023, nous avons commencé. Le Seigneur a dit, il faut qu'on commence à préparer la guerre. Préparer la guerre, les héritages désolés. Distribuer les héritages, ouvrir les cieux pour distribuer les héritages désolés. La guerre arrive. On va énoncer la guerre, ça sera terrible. Les cieux du Cameroun vont s'ouvrir, ainsi de suite. Et quand tu es rentré particulièrement en France, et que tu commences à suivre les enseignements, qu'est-ce que ça t'est venu? J'étais désolée de ne pas être là parce que je me suis dit waouh, j'ai entendu toutes ces choses et maintenant je suis partie. Mm. Mais je me disais quand même que bon, le Seigneur fera grâce pour que j'aille aussi vivre. Mais j'aurais aimé être là. Mm. Pour voir la genèse de la chose. Oui, parce que je les avais entendus peu de temps avant. Mm. Mais tu ne savais pas que ça devait arriver comme ça? Non. Bro, tu as suivi les choses que nous avons fait ici pour préparer la guerre aussi. Mm. Tu n'as pas suivi. Tu es seulement venu entrer comme ça. Donc, elle suit ça, tu bénéficies. Amen. Il était aussi là. Nati, toi, tu étais là. Oui. Quand on préparait la guerre, tu avais peur de la guerre? Moi, j'ai peur de la guerre. Tu as vu, Israël, les Israélites n'ont pas peur de la guerre, d'accord? Dis, je suis un soldat. Soldat. Très bien. Alors, Nati, quelle était ton expérience quand tu étais là à ce moment-là? Ça fait un an. C'était une très bonne expérience. Mm-hmm. Quand on se réunissait, c'était passionnant et intéressant. Mm. Et quand tu es parti également? On était toutes, oui. Vraiment. Quand tu entendais ça, tu disais quoi? Quand tu entendais ce Bamba Iba, tu entendais les choses glorieuses qui se passaient. Oui, que ça sera dans des années, que ça sera dans 10 ans. Oui, dans longtemps. Quand tu aurais déjà 3 ou 4 enfants. Voilà, peut-être dans 20 ans même. Oui. Et là, c'était là. Mm. Quand tu entendais ça, qu'est-ce que ça te faisait alors? Ça faisait un peu peur, parce que c'était très soudain, mais c'était magnifique. Moi, c'était bizarre parce que je ne voyais pas les choses arriver parce que c'était déjà un moment calme, c'était une période calme. Il y a même pas, enfin, c'est comme si c'était une période froide, comme ça, souvent, il n'y avait pas de publication. Il n'y a pas des enseignements. Il n'y avait rien du tout. Mmh. Du coup, on dit qu'on prépare une guerre, et puis, du jour au lendemain, comme ça, les choses ont commencé à bousculer. Du coup, c'était bizarre. Mmh. D'accord. Le truc, c'est que, en fait, quand moi je suis rentré là-bas, et j'ai commencé, il y avait des enseignements qui venaient au fur et à mesure, et puis après, il y a eu les 21 jours de guerre, et tout, avec des choses qui s'enchaînaient. Moi, je n'arrivais pas à comprendre le phénomène qui se passait. C'était spécial. Tu te poses la question que ben, c'est le même Cameroun où j'ai sorti là, qui se passe comme ça. Qu'est-ce qui se passe là-bas, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et tu arrivais à quelle conclusion? Puis c'était la question que tu te posais. Ben, je me suis dit que bon, peut-être que moi-même, j'ai pu arriver à voir ce qui se passe. Prends ma Bible. Et le Seigneur m'a fait grâce. Va prendre ma Bible. Donc, je suis venu en avril, moi-même, j'ai vu ce qui s'est passé. Donc, tu es venu te proposer, tu as vu. Oui, c'est ça. Dis-nous ce que tu as vu. David, ça, tu bavas, tu dégauches là-bas. J'ai vu ce que j'entendais au travail des enseignements. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'image, du coup, il faut être là pour voir avec des propres yeux ce qui se passe autour de nous. Comment le Seigneur il opère au travers de ses enfants. Bro, dis t'as pas d'espoir. Quand tu as entendu la guerre, bon, peut-être que tu n'as pas entendu la guerre, tu as entendu que quelque chose se passe, qu'il y a le boivement. Oui. Lui, il dit qu'il n'y a pas ce Bamba Iba des enseignements pendant longtemps. Et puis, subitement, ça a commencé un jour. Oui. Dis-nous, ton un jour était comment? C'était bizarre. C'était bizarre parce que, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il y a un phénomène qui se passe aujourd'hui, le lendemain, c'est différent. Donc, c'était insaisissable en fait. C'était insaisissable. Et il fallait toujours être
soit en prière, soit proche de toi même pour que tu dises en fait que voilà la direction, voici comment il faut procéder, voilà comment il faut procéder. Bon, c'est en gros ça. Et ma mère maintenant alors, ma mère était où, partout? Non, j'étais pas ici. Au début, maman, tu étais là pendant la guerre. Pendant qu'on parlait de la guerre, les héritages désolé, maman. Ah oui, ça oui. Après, je suis partie. Tu es revenue. Je suis partie, je suis revenue. Et tu es encore partie, tu es encore revenue. C'est ça, non. Ça se passe au Cameroun. On était rentrés, on voulait arrêter pas de dire, oh, il faut que j'aille au Cameroun, il faut que j'aille au Cameroun. C'est vrai. Des choses magnifiques arrivent au Cameroun et des choses encore, des gens viendront encore au Cameroun plus nombreux. Amen. De le moment viendra où, par la grâce de Dieu, on ne sera pas là pour être avec vous comme ça. Vous serez obligé de voir d'autres personnes. Parce qu'il faudra qu'on s'occupe encore d'autres personnes. Mmh. D'autres qui ne sont pas là et que le Seigneur amènera et que d'autres là, il va falloir qu'on soit là pour leur expliquer de quoi il est question. Et vous autres aussi, vous serez là pour expliquer la Genèse comme vous avez été à la Genèse. Amen. 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 Alors, après cette phase-ci, il y aura un grand déversement de la puissance du Saint-Esprit et les manifestations des dons. Et l'un des dons que Dieu va manifester dans l'Église, qu'il n'a jamais manifesté, sera la télépathie, le téléphone par esprit. Wow. Ça, c'est Amen. Génial. Hein? Ça, c'est génial. Amen. Écoutez-moi bien. C'est cet instrument, on appelle ça quoi? Téléphone. Le moment vient où l'Église n'utilisera plus ça. C'est l'une des grandes choses que Dieu va faire au milieu de nous, qu'il n'a jamais fait dans les siècles. De tel ancien qu'on pourra se convoquer de rendez-vous sans parler. Wow. De tel ancien que, étant dans une assemblée comme ça, là, tu pourras savoir ce que l'autre en train de penser. Donc, le discernement sera aiguisé au plus haut point. Amen. 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 Vous entendez ce qu'il a dit là maintenant? Donc le discernement sera... Ça veut dire que quoi? Les pensées du cœur seront dévoilées. Dévoilées. Dieu va mettre les gens au pas. Vous voyez, quand on parle donc de l'unité de l'esprit, on se pose la question comment l'unité de l'esprit va venir. Comment l'unité de l'esprit va opérer? Quand c'est une chose spirituelle, d'ordre spirituel, c'est le spirituel qui va coordonner. Le Saint-Esprit fera que les chrétiens seront un. Au point où quand on a de parler, parler par l'esprit, chacun entend la même chose et comprend de la même façon. Le Saint-Esprit va le faire. Il n'y a pas besoin d'interprétation. Je vais dire que celui-ci est plus con. Il a dit dans les Saintes Écritures que tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. C'est le moment. Amen. Donc, imaginez ce que je suis en train de dire. Voici le téléphone qu'on utilise pour s'appeler. S'il veut t'écrire, que WhatsApp, que frère, tu es où? Je ne te vois pas, tu es où? Tu connais justement directement où la personne se trouve. Tu vas venir avant que tu ne viennes, même s'il ne t'appelle pas, tu sais que telle personne est devenue. Ça ne s'est pas encore manifesté dans les siècles passés. Le Seigneur veut le faire. Maintenant, vous êtes encore assis au même endroit, en train d'entendre encore les mêmes choses que le ciel est en train de déclarer voulant venir sur la terre. Comme ça, plus tard, quand ça va venir, vous saurez que ça vous avait été dit ici, le lundi 28 octobre 2024. 18h52. 2 secondes. Père, merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce, pour ta bienveillance. Parce qu'en fin de compte, cet instrument-ci sera utilisé contre l'humanité. Et une fois dans les enseignements du prochain, une fois, il dit que le moment viendra sur la terre, on va devoir se séparer du téléphone. Parce que s'il y a une chose qui captive les gens maintenant, c'est le téléphone, c'est le veau d'or moderne. C'est ça qu'il nous faut retourner en Égypte facilement. C'est ça qui nous fait prendre le chemin de l'Égypte facilement. C'est le veau d'or qui devait guider les Juifs vers l'Égypte. Voici notre veau d'or. Donc on lit le veau d'or dans le, en accusant les Hébreux que oh, les Hébreux étaient dérangés. Comment ils dérangeaient Dieu? Comment aussi aujourd'hui on peut avoir la Bible avec nous, on suit plutôt le veau d'or. Ainsi dit le Seigneur, il aiguisera l'esprit maintenant pour discerner au plus pour aussi. De telle enseigne que s'il y a besoin de Frédéric en Belgique, il reste comme ça, il parle avec Frédéric en Belgique. Wow. Vous parlez sans téléphone. Sans téléphone. Sans téléphone. Nous n'avons pas besoin. Télépathie. Même maintenant, si vous essayez d'imaginer votre esprit comment ça s'est passé, ça ne se passe pas parce que c'est un don spirituel. Je vais lire un passage pour que vous compreniez de quoi un peu ce que on dit, d'accord? Avant de venir sur le deuxième oracle. 1 Corinthiens chapitre 5,
Fais même ta soupape là. Et donne le dossard quand tu me dis les bêtises. 1 Corinthiens chapitre 5. L'apôtre Paul dit au verset 4. Non. Au verset 3. Pour moi, absent des corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Paul, l'apôtre qui le dit. Il se trouve peut-être à Rome, peut-être à Thessalonique. Donc, nous sommes ici à Douala. Il est peut-être à Mbanga ou bien à Ebolova ou bien à Yaoundé. Quelque chose se passe à Douala. Il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas quoi que ce soit. Il dit que n'étant pas physiquement là, il avait un esprit. Il a jugé tel homme. Il a même prononcé le jugement. Il dit que l'esprit de Dieu a été là. C'est fort. Colossiens. Vous êtes prêts? Hein? Oui. C'est quand même curieux, pas vrai? Vous voyez comme ça quand les gens veulent qu'on soit sous on soit comme ça. Nous déclarons les oracles aussi conscients comme ça. Déclarer les choses de notre royaume. Qui est content? Wow. Vous imaginez donc que ceci va faire intéressant que les versets bibliques, ça c'est la phase où les versets. Je vais lire quelques versets bibliques pour que vous compreniez pourquoi ceci doit être là. Merci Père. Qui est content? Wow. Qui est content? Dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ça, c'est les oracles du Seigneur. Bon, je vais mettre la main d'Éphésiens pour vous revenir, vous lire quelque chose pour que vous voyez de quoi il est question. Il lit Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Voilà. Regardez. Nous rendons grâce à Dieu. Verset 3 de Colossiens chapitre 1. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, la parole de l'évangile, vous a précisément fait connaître. Il est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits, et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité d'après les instructions que vous avez reçues d'Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Écoutez bien, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et toute intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Bon, dans la version originale, il y a par son sang qui est ajouté. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Je peux dire quelque chose? On dit que le Seigneur Jésus est la tête du corps. Vous avez moi? Hein? Oui. Très bien. Regarde, tu en as dépensé. Donc, il en a dépensé. Et la Bible dit que les fils seront semblables à lui quand il viendra. J'en allais vraiment doucement. Ça, c'est un oracle qui est sorti. J'en allais doucement pour essayer de le dire. Alors, le Seigneur pouvait s'asseoir avec les pharisiens en train de manger. Quelqu'un dit dans son cœur, si cet homme était vraiment profond, il saurait de quelle espèce de femme. Il dit, pourquoi paraît penser ses rêves dans ton cœur? Je suis entré ici. Tu vois, il a des pensées comme ça. Personne ne connaît. Il discerne les pensées. C'est ça dont je suis en train de parler. C'est-à-dire que... Mettons, je mets les... Luc chapitre 11. Qui est content? Moi.
Nous voici donc en 7 octobre. Notez, vous gardez ça dans votre cœur, Luc chapitre 11 et Luc chapitre 17, parce qu'on va sortir par là-bas, là, Luc chapitre 17. Si oublié, vous me dites, d'accord. Luc chapitre 11, à partir du verset 37. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra, il se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant de prendre le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé, il commence à les insulter. Insensé partout là-bas. Donc ici il dit, verset 51, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple, oui, je vous le dis, il en sera demandé. Allumez ici, s'il vous plaît, le fait, ça me dérange. Mm. Les lumières ne sont pas correctes. Mais c'est pas trop. Mm. Fait que ça brille partout là. Non, non, change. Il vient de le blanc qui est au milieu là. Le premier ici. Ça veut dire qu'on a été par là-bas, au bout ici. C'est pas possible ça. Alors le discernement de pensée, très bien, vous voyez ça. Comment vous me punissez comme ça? Il y a du mal, il fait ici comme un vieux alors que je suis pas encore vieux. Oh. Alors le discernement des esprits, c'est à l'ordre du jour. Et voici ce que le Seigneur a dit. Ce que disait Luc chapitre 17. Écoutez-moi bien. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui cela arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on le mine. Il faut que ce soit rapidement. Verset 20. Les pharisiens demandaient à Jésus quand viendra le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu au milieu de vous. Pour eux, Jésus était le royaume. Là, clairement. Des jours des fils de l'homme et... Non, je crois que c'est plutôt que ça. Verset 22 du chapitre 17, et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours des fils de l'homme, les jours des fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le fils de l'homme en son jour. Écoutez bien, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Maintenant, voici le point de verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Jour ici est écrit au pluriel. Maintenant, ce qui est bien avec cette affaire ici, c'est que les théologiens lisent, on parle de Noé ici. Et il parle ici des jours du Fils de l'homme au pluriel. Il dit, verset 27, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient. Et marier les enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot, il a pris une génération. Puis il a pris une autre génération. Parce qu'en fin de compte, Lot, c'est après Noé. Et quand Noé a été, de la période a été Noé, nettoyé, trois personnes, trois hommes, donc trois enfants plus Noé, quatre, sont entrés avec ses femmes, dont huit. C'est après à leur sortie qu'on sort Abraham, Isaac, Jacob, et ainsi de suite. Donc l'autre, c'est le cousin, c'est le neveu d'Abraham. Suivez très attentivement. Suivons bien celui-ci. Vous êtes prêts? Très bien. Donc il a pris deux époques. Il a mis ici. Et ces deux époques-là, on va rentrer là-bas, voir ce qui s'est passé. Je vais juste vous parler de l'oracle, mais c'est enveloppé déjà. J'ai dévoilé juste un peu. Maintenant, suivez ce qui a été dit. Ce qui arriva, ça c'est verset 28, du temps qui est ici. Fais-le descendre. Descends, tu vas t'asseoir là-bas. Rapidement. Comme t'asseoir pas, on ne peut pas se fermer là. Verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fils tous périrent. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Allons-y maintenant. Racontez-moi, quelqu'un peut me raconter le temps de Noé, ce qui s'est passé.
Les gens mangeaient, buvaient. Ça, c'est clair, on a toujours mangé à toutes les générations. Mariaient les enfants. Ce n'est pas le problème du mariage que Jésus a déposé. Il a enveloppé quelque chose. Il construisait l'arche. Non. Dans les deux cas, il a dit les hommes mangeaient, buvaient. Donc, ça veut dire que Dieu se fâche quand on s'est marié. Ah, non, on a un problème. Ah, il s'est fâché. Mais pourtant, il n'a pas parlé de cela. Donc, les deux cas, il n'a pas parlé. La distraction. Il n'a pas parlé du péché. Il n'a pas parlé que les pécheurs sont les gens. Il a parlé plutôt de la festivité dans laquelle les gens se trouvent. Parce qu'il n'a pas dit que c'est péché. Il dit, je recommence encore verset 26 et 28. Verset 6 à 28. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où. Il y a un péché dans tout ça. Hein? Non. Il y a un problème. Là, nous sommes dans Luc 17. Puis il va au verset 17 encore. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, quel est le problème? Il y avait des êtres. Comment? Il y avait des êtres. Il y avait des êtres. Tu commences à être sur la ligne. Très bien. Donc voilà deux époques que Jésus a positionnées avant qu'il ne vienne en scène. Il dit que quand il est sorti, fou! Il dit, ça sera comme, exactement comme le jour. Mais en chaque fois, on parle de ceci, on parle de seulement manger, buvé. Mais entre-temps, personne ne s'empêche de manger. Là, maintenant, tu vas te marier. Tu veux te marier, non? Pas vrai? Malgré que jusqu'à dit ça, il veut se marier. C'est pas ça. Hein? On dit les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient les enfants. Le problème, ce n'est pas au niveau du mariage. Les gens étaient dans la festivité et autres. Là, ça. Mais ce n'est pas cette festivité que le Seigneur a de mettre l'emphase ici. Il a voilé. C'est un prophète. Les oracles des prophètes sont voilés toujours. Donc, le temps, parce qu'en fin de compte, si vous remarquez très bien, à chaque époque des différents temps, les gens sont toujours mariés. On est d'accord. Donc, ce n'est pas le mariage dont c'est la question. Ce n'est pas le mariage que Jésus a de lui dénoncer. Il a juste enveloppé. Donc, ce qu'il faut suivre, c'est le temps du personnage dont on a dit. Le temps de qui? Première personne. Noé. Le temps de qui? L'autre. C'est l'autre, c'est seul le temps. Il a dit quelque chose se passe dans le temps. Mais il a enveloppé avec le mariage et autres. Maintenant, il faut donc qu'on aille dans le temps, on voit ce qu'il en est. Et dans chacun de ces temps, vous allez voir qu'il y a une de ces manifestations de discernement. On y va? On y va. Le fils. On prend le temps de Noé. Au temps de Noé, vous allez remarquer que en fin de compte, pendant qu'il vient pour parler à Noé, pour que prépare-toi une arche dans laquelle, parce que la résolution par devant moi est les créatures, si vous voulez les détruire. Vous allez remarquer que quand on se focalise d'abord, on perd le fait qu'il a parlé avec quelqu'un qu'on appelle Enoch au préalable, jusqu'à ce qu'il est parti dans l'enlèvement. Vous allez remarquer, je veux toute votre attention. Dans ces deux époques où le Seigneur a enveloppé, parce que l'enlèvement va toujours avoir lieu avant que les gens ne se rendent compte. Suivez-moi très attentivement. Parce que le discernement qui est en train de venir, c'est pour préparer l'épouse à partir. Ils sauront exactement l'heure et l'endroit. Parce qu'en fait, il y a une porte par laquelle on va atteindre le ciel. On n'entendra pas se disperser. Il y a un endroit de réunion. N'a-t-il pas dit, l'heure vient où celui qui sera dans la tombe entendra la voix du Fils de l'homme. Et quiconque aura rendu reviendra. Il va les appeler, ils vont venir. Et Paul a dit cela, étant enveloppé encore. Il dit qu'on entendra sa voix, l'esprit qui montre. On va entendre sa voix, on va monter sur des nuits. À la rencontre du Seigneur. À la rencontre. Nous tous, nous irons à la rencontre. Il sera dans un lieu, on ira le rencontrer. Que tu sois n'importe où sur la terre, on va converger à un lieu. Pour que la porte d'ici s'ouvre. On avance. Donc, ce n'est pas le mariage qui est dénoncé par le Seigneur, c'est l'époque. L'esprit de l'époque et ce qu'il a enveloppé là-bas, qu'il était en train d'indiquer par prophétie. Parce que ces époques-là typifiaient des choses qui devraient arriver sur la terre. Alors, Noé n'est pas le type de l'enlèvement. Donc, si quelqu'un dit qu'il en est traversé dans la génération de Noé, qu'il est Noah Generation, dis que mon cher ami, continue avec ta génération. Je ne suis pas avec toi. Parce que Noé typifie les gens qui vivent dans la distraction au milieu du péché et perdent de vue l'enlèvement. Parce qu'il n'entre pas la tribulation. Mais le problème, c'est il y a quelqu'un, son père, qui a eu marché avec Dieu, entièrement avec Dieu, et il ne fut plus. Demande aux gens comment il a été. Il ne fut plus.
si Dieu l'avait enlevé. Il a vu ce que Noé va traverser. C'est le type de chrétien que Dieu a mis à part pour le garder et que les autres passent par la tribulation. Donc Noé, c'est le type de chrétien. Donc tu sais, en tant que non, voici là, nous sommes dans la terre de Noé. Dès que tu as des prêchés, nous sommes dans l'époque de Noé. Nous ne pouvons pas le Noé. C'est ce que l'enlèvement a eu lieu. Parce qu'en fin de compte, les gens vont prêcher l'évangile de Noé sur la terre quand l'enlèvement va avoir lieu. Le dernier recours, dernière chance maintenant, arrêter la distraction. Maintenant, on a dit que les gens arrêtent la distraction pour retourner, se préparer par rapport au Saint-Esprit. Les gens ne comprennent pas. Mais le moment venu où les sept évangélistes là prêchaient et pressaient comme ça, que maintenant ils sont partis. Restons maintenant, il y a l'âge. Restons maintenant forts. Dieu va détruire la terre, il va détruire la terre, mais restons forts. Les plaies dont on parle d'Apocalypse chapitre 6, chapitre 9, chapitre 16 vont se rabattre sur la terre. Les gens vont se repentir, mais les gens qui feront du mal vont encore davantage insulter Dieu. Mais il y aura les chrétiens sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils sont ligués à la distraction. Vous avez suivi? Ça, c'est la première. Donc, avant Noé, donc Jésus allait lui parler, il y a eu un discernement avant pour préparer les gens pour partir. Donc, celui-ci vivait sur la terre, il connaissait totalement la volonté de Dieu. Il connaissait des créatures que personne sur la terre ne connaissait. Et lui-même, dès son époque, a prophétisé la venue de Jésus, alors qu'il n'y a pas un seul livre sur la terre. Lisons son l'une des prophéties de Noé, de Enoch. Jude, le prophète, dit... Dans Jude chapitre 1, Jude chapitre 1, Jude. Il dit, c'est aussi pour eux, dans le premier temps, il dit cela. Regardez, verset 14, qu'est-ce que ça dit cela? Verset 14 du chapitre 1 de Jude, il dit, c'est le prophète, un prophète qui écrit, il dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre à compte pour tous les impies parmi eux. De tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proféré contre lui des pécheurs impies. Voici Jude qui dit dans le Nouveau Testament que Enoch, dont je suis en train de parler, le patriarche de Noé, après Noé, avait prophétisé que Jésus viendrait pour juger les gens. Il n'y a pas de livre à cette époque. Donc il connaissait juste, il a vu la venue de Jésus. Il dit, mais Enoch, dont je suis en train de parler, il a marché avec le Seigneur et il ne fut plus. On dit dans le livre d'Hébreux qu'il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il reçut le témoignage. Dieu a dit que je te prends parce que tu es agréable à moi. Mais la Bible dit que quand tout ce qu'on soit, on marche d'une manière digne et d'être agréable avec le Seigneur. Mais ceux qui sont enlevés sauront qu'ils seront enlevés parce qu'il sera dit que prépare-toi pour que tu partes. Tel jour, on part. Wow. On ira. Wow. Alors, wow. Le discernement qui est devenu, c'est pour l'enlèvement. Amen. Tu as suivi? Amen. Très bien. Amen. Wow. Je vais encore te marier. Que tu sois marié, si c'est le jour de mariage, le problème c'est que le mariage n'empêche pas l'enlèvement. Le travail n'empêche pas l'enlèvement. Vous comprenez? Jésus a dit que des deux qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre les deux seront sur le lit. Deux personnes dorment sur le lit, comme ça c'est les homosexuels. Deux seront sur le lit, un sera dit. C'est pas pour dire qu'un homme va être laissé, l'autre sera. Donc c'est pour dire qu'en clair, qu'en fin de compte, c'est l'habilité de monter comme les aigles qui sera donnée aux gens de partir. Parce que si l'enlèvement est là, tu dis, oh non, je ne me prépare pas pour l'enlèvement. On se prépare pour l'enlèvement en disant que je ne me prépare pas pour l'enlèvement. Celui qui a l'époux, c'est l'époux. Amen. Il va préparer son époux. Amen. Parce que la Bible déclare qu'elle va entrer sans tâche ni ride. Bon, faites-moi, dites-moi comment vous allez faire pour ne pas avoir de tâches. Non, je vous dis quelque chose encore. Vous êtes content? Amen. Amen. Très content. Très content. Heureux de vos oreilles qui entendez ce qui est en train de dire. Amen. Donc permettez que je lise le livre des Thessaloniciens. Oui, on a dit que les gens mangeaient, buvaient. Voilà ma femme qui allait prendre le. Là voilà. Ouais, c'était la cuisine, l'allemand ne devait pas avoir lieu. Nous sommes partis. Ah, mais vous avez vu. Un Thessaloniciens. Je dis, hein. Regardez, chapitre, 20, chapitre 5 de 1 Thessaloniciens, verset 23 et suivant. Regardez. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Il y a la sanctification que nous devons faire. La sanctification qui nous amène en haut, c'est lui. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles. Ce qui est bon dans la Bible, c'est qu'on ne dit pas jusqu'à la venue. On dit lors de l'avènement. Je me sens bien. Quand tu manges ça, tu te sens bien. Moi, je me sens bien là. Bon appétit, chérie. On dit les gens, c'est manger le truc. Le jour où Jésus est venu.
Il vient, on part seulement. On se déplaint tant aussi. On te déplaint tant. Alors écoutez bien, regardez bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il dit, écoutez encore, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Donc c'est un style de sanctification, c'est lui qui va faire. Regardez, en lisant le livre d'Ézéchiel chapitre 36, on dit que je l'ai retiré du monde. Je les sanctifierai, je les purifierai, je mettrai mon esprit en eux, je ferai à ce qu'ils écoutent ma parole. Vous voyez cela? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, dans les trois dimensions, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé, irrépréhensible. On ne dit pas jusqu'à. On dit lors de l'avènement de notre Seigneur. Donc, il va devoir trouver quelqu'un sans tâche ni ride. Il va trouver ça. Lors, quand il vient, poum, tu dois être dans cet état. Et c'est lui qui fait. Regardez, celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Amen. Gloire soit rendue à lui, à jamais. Amen. Amen. C'est lui qui le fera. Donc, nous avons un degré de sanctification que nous prêchons. Il a le standard extra-céleste de lui, qui viendra de lui. La puissance de Dieu en est venue sur la terre. Au point où, dans un environnement, quand tu vas venir, tu vas comprendre que c'est comme si on a mis un blocage. C'est-à-dire que, voilà le mur, tu peux passer. Si tu n'as pas le droit d'entrer, tu vois le vide, tu ne peux pas passer. Parce qu'il y a des êtres là-bas comme ça, spirituels, que tu ne peux pas traverser dans ce milieu-là. Le moment vient sur la terre, on va tirer sur les croyants, tu tires comme ça, il te regarde comme ça, il ne bouge pas. La balle ne bouge pas, tu vois la balle qu'elle est tombée à terre. C'est génial. C'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Qu'il vous sanctifie lui-même tout entier. Donc, le niveau de sanctification à la fin du temps, la puissance de sanctification que Dieu va déverser sur la terre, il n'a jamais fait sur la terre. Parce qu'il l'a fait de façon progressive. Que celui qui est saint se sanctifie davantage. C'est le niveau qui nous appartient, qui nous concerne. Mais sans tâche ni ride, je pose la question. Tu as la tâche dans ton esprit, comment fais-tu pour nettoyer? On dit donc que c'est celui qui nous a appelé qui le fera. Il va s'assurer que le moment où il vient, on lui ressemble. On entre sans tâche ni ride. Il n'y aura pas de péché. Amen. Quand les gens vont comprendre, il y a une autre dimension dans le sang de Jésus qui est réservée pour l'époque de la fin. Amen. C'est pas en disant que, permettez-nous de déclarer loi, ce n'est pas en disant que Seigneur sanctifie-moi par ton sang que ça fait sentir. Parce que quand tu fais ça, après tu es encore coupable. C'est Jésus qui ôte la culpabilité. Amen. Quand il a dit à cette femme-là qui était adultéresse que je ne te condamne pas non plus, sa conscience était purifiée du péché. Regardez, permettez-moi d'aller. Vous savez que c'est mon habitude donc, d'aller dans le livre de Zacharie, chapitre 11 ici. Je vous montre quelque chose. Zacharie. Qui se sent bien? Wow. Pas autant que toi. Mais... Vous vous sentez bien? Hein? Je me sens bien. Je vous lis quelque chose? Oui. Chapitre 7 de Zacharie. Après, il pourrait aller au chapitre 13 là, alors chapitre 11 verset 7, alors je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. J'ai pris deux houlettes, j'appelais l'une grâce et j'appelais l'autre union, et je fis paître les brebis. Écoutez ce que le prophète nous dit, vous entendez ça? Donc Dieu a dévoilé son plan depuis, le plan de la grâce, le plan de l'union qui est avec Israël et Juda. Regardez ça. Et j'exterminais les trois pasteurs en un mois. Mon âme était impatient à leur sujet. Et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. Il parle de l'antichrist avec les deux autres colistiers. Et je dis, je ne vous paîtrai plus. Que celle qui va mourir meure. Que celle qui va périr périsse. Et que celle qui reste à dévorer se dévore les unes les autres. Donc, l'antagonisme au milieu chrétien. Oh, tel pasteur est faux. Tel FEC. Il laisse les pros. Ils ont déjà fait quelque chose. C'est l'esprit qui est prophétisé. J'ai pris ma houlette grasse, écoutez bien, écoutez ça, et je l'ai brisée. La femme de la grâce, je l'ai brisée pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Donc, quand la période de la grâce est terminée, prêchez n'importe quel évangile, personne n'est plus sauvé. Continuez ici, regardez. Elle fut rompue ce jour-là, et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent que ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis, si vous le trouvez bon, c'est pour ça que j'aime le livre des prophètes. Il parle de grâce quand il sera rompu. Et c'est pas la semaine qui parle de l'annonce maintenant de la personne de Jésus qu'on va vendre pour qu'il vienne inaugurer la grâce. C'est comme ça qu'il l'embrouille la chose. Je vais
Bon, il prend le chapitre 13 ici, il lit à partir du verset 6. Regardez. Chapitre 13. En ce jour-là, verset 4, en ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront et ils ne revêtiront plus un manteau de poils pour mentir. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète. Je suis un planteur, un laboureur. Donc on dit clairement qu'à la fin du temps, les gens vont rentrer à l'agriculture, même les prophètes. On y va. Quand on m'a acheté dès ma jeunesse, écoutez, et si on lui demande, ça c'est nous, ça nous place clairement quand Jésus va venir chez les Juifs. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. Donc il va se présenter vers chez les gens. Les gens, on dit que ici, le prophète, où sont les rabbins qui parlaient là? Il dit, non, c'est pas rabbin, c'est toi le grand. Mais dans ce cas, quand il va faire sa main, on dit, mais la blessure. Et en fait, quand les croyants qui étaient sur la terre vous prêchaient que c'est vous qui m'avez crucifié, c'était pour ça, pour les garder, pour que vous entrez aussi. Magnifique Jésus. Maintenant, on y va. Verset 8 maintenant. Nous sommes dans le chapitre 13 de Zacharie. Enfin, il dit, dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés. Des deux tiers seront exterminés, périront, et l'une et l'autre tiers restera. Donc, ça veut dire que si on est 3 millions, 2 millions de personnes doivent mourir ce jour-là. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on l'on éprouve de l'or. Ils invoqueront mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Et puis la Bible déclare, il dit ici, il dit, verset 10 du chapitre 12, il dit, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Dieu dit que c'est lui qu'on avait percé à la croix, c'était lui. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Donc, Dieu dit ici qu'il va verser son esprit. Un jour, la repentance va avoir lieu. Je prends ceci pour montrer clairement quand Dieu fait quelque chose sur la terre, il peut empêcher. Donc, il dit, la repentance des Juifs va venir un seul jour. Les gens vont se tourner et dire, qu'est-ce qui se passe? Le Messie est là. On va commencer à pleurer. Le deuil, il sera pas grave. C'est comme ça que le Seigneur va faire avec l'Église. Un seul jour, il enlève l'iniquité. Il purifie, rend la chose parfaite. L'oracle dit, l'un des grands mouvements en train d'arriver sur la terre, le discernement poussé donné à l'Église. De connaître les pensées des cœurs. Les pensées de cœur de quiconque. De telle enseigne que quand vous venez à l'assemblée, si quelqu'un a menti, je vais parler des conséquences de ce discernement qui vient d'arriver. C'est des morts à outrance. Ananias, Saphira, non? Donc les gens vont vivre dans le mensonge, venir au milieu de l'assemblée. Dès qu'il entre, on te regarde. Tu as menti au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est fait? Tu tombes, tu meurs, c'est bon, tu tues. L'interrupteur. Oui. Alors le discernement des esprits poussés sera accompagné de morts atroces. D'autres vont tomber, mourir avec le cancer. Dévoré par le vin. Je parle du Nouveau Testament. Le vrai Nouveau Testament. Pas le Nouveau Ancien Testament de l'ancien apôtre. Donc, l'histoire de l'Église continue maintenant pour conclure la fin de l'Église sur la terre. Amen. Et grande est ma joie d'annoncer sur la terre qu'une grande visitation du Seigneur vient du discernement où Dieu donne à l'homme de savoir ce que l'homme pense. Amen. Dieu va envelopper l'humanité de la divinité. Amen. Pour faire place de la révélation des fils. Amen. Vous avez entendu, non? Mm-hmm. Très bien. C'est ce qui vient d'arriver. Amen. Les dons spirituels vont se manifester. Dieu va épurer, nettoyer les pensées, nettoyer et donner l'habilité à l'être humain qui veut utiliser de regarder le péché sans savoir que c'est le péché. La personne ne pourra plus pécher. Il n'aura plus la volonté de vouloir commettre le péché. Dieu va ôter tout cela pour que la manifestation de la pleine divinité en lui soit connue sur la terre. Pour qu'il soit capable de juger les pécheurs et les péchés. En étant le divin à la place de l'humain. C'est l'avant-goût du jugement des saints. Maintenant, Éphésiens dans le chapitre 5 dont je voulais lire tout à l'heure pour montrer l'application. Que le Seigneur vous bénisse. Regardez ça au chapitre 5, regardez, d'Éphésiens. Verset 7, 3 dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. C'est impossible là-dedans. Là, le verset 6, c'est impossible. On ne dit pas que le péché ne soit pas là. On dit qu'on n'entend même pas le nom de ça. Pour que ce soit possible.
faut que tout le monde soit enveloppé dans une nuée de sainteté poussée. Que l'impudicité, c'est le subjonctif, c'est l'impératif ici, c'est un ordre. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité, donc impurité, si tu fais la ramification de l'impurité dans n'importe quelle direction, on dit, et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Il en dit ça ici, à des saints, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, il dit qu'aux saints qui sont en Jésus-Christ, on entend dire parmi vous qu'il y a une impurité telle que ça ne nomme pas chez le païen. Donc le degré est très grave. En tout cas, ici, il en dit que ça ne soit même pas nommé. Donc la dimension de la sanctification de Dieu sera donnée aux croyants. La dimension de la sanctification du Dieu Tout-Puissant sera donnée aux croyants. De telle enseigne qu'avant de quitter la terre, on commandera aux arbres de se déplacer. Les arbres se déplacent. Amen. On commandera aux feuilles vertes de s'assécher, de se sécher, ça se sèche. On commandera aux cours d'eau d'arrêter le cours, ça s'arrêtera. Amen. On donnera des noms nouveaux aux animaux qu'on aura parlé et ça viendra à l'existence. Donc ici même la tige de manioc, ça te bloque, tu peux devenir quelque chose. Okay. C'est le pouvoir qu'avait Adam avant la chute. Donc vous voyez que fondamentalement l'homme a été restauré parce que le péché a été ôté, mais les effets du péché n'ont pas été annihilés dans l'être humain. Il y a un temps de travail pour cela. Vous imaginez que la Bible déclare, j'ai lu tout à l'heure en Colossiens chapitre 1 verset 12, il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage du Saint dans la lumière. Écoutez ça, c'est Paul qui en a décrit de ses propres bouches, de sa propre main. Il dit, il vous a rendu capable, il vous a délivré de la puissance, il vous a délivré. On a lu ça, non? Il vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté. Vous a. Il ne dit pas qu'il va vous. Il vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Puis dans son appel, Dieu lui dit, regardez ça, Actes chapitre 26. Actes des apôtres. Vous n'êtes pas fâché comme pas du tout. Non, pas du tout. Donc, quand vous allez rentrer, vous allez entendre maintenant que hey, le frère s'est entendu telle chose. Oh, on rentre encore au Cameroun. Hein, Frédéric? On y va. Regardez le chapitre. Oh, mon grand frère. Mon grand frère. Vous remarquez là où il est entre là. Chapitre 26 des Actes des Apôtres. Regardez, il est à partir du verset 11. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les ai forcés à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, oh roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. La lumière de Jésus ne surpasse plus que le soleil. Donc, il y avait le soleil, il y avait une lumière qui était dépassée du soleil. Pensez-y. Vous imaginez les bombes atomiques qui en lui. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est quelque curieux ce qui parle depuis le ciel, mais tu entends cela sur la terre et tu entends ça toi seul. Continue. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur me dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Donc, pendant qu'il était là, il a vu des visions. Et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc, après ça, Jésus lui est apparu. Et je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Écoute ça. Afin que tu leur ouvres les yeux. C'est terrible. Tu les ouvres. Pendant qu'ils parlent, ils ne parlent pas des yeux des aveugles. Ce sont des gens qui voient, qui ne voient pas bien. Ils ne voient pas bien ce qu'il fallait voir. Tu les ouvres les yeux. Paul ne va pas prêcher quelque part que vos yeux soient ouverts. Non, il parle. Pendant qu'il parle, ce qui est en lui en train d'ouvrir les yeux pour que les gens se disent on était où? Très bien. Il dit pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Maintenant, souvenez-vous de Colossiens 1. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage sain dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres à la lumière. On dit que Jésus l'a fait. Par son sang à la croix, il l'a fait. Et s'il dit, j'ai Jésus lui-même qui dit encore, que je t'envoie comme ça pour que tu les fasses quitter, les passer des ténèbres à la lumière. Donc malgré que Jésus ait fait ça à la croix, les gens étaient encore dans les ténèbres. L'œuvre de la croix est totalement accomplie.
la mise à exécution et la pratique de cela pour chaque génération est faite par des hommes que Dieu a choisi pour les faire mandater, pour les faire quitter de cet état à l'autre état. Mm. Comprenez ce que nous avons dit? Mm. C'est-à-dire que fondamentalement, le Seigneur a enlevé tout le monde des ténèbres. Mm. Tout le monde est pardonné. Mm. Mais les gens pour qui c'est destiné, il faut qu'on vienne dire que, regarde, Jésus t'a pardonné. Tu dis, ah bon? Mm. Et à cet instant, tu es dans l'équipe. On se tait, vous restez dans les ténèbres. Pourtant, vous voyez, pourtant, vous lisez la Bible. Pensez-y là maintenant. Pensez-y. Vous avez moi? Oui. Esaïe avait parlé de l'apôtre Paul. Quand il a parlé, quand le Christ vient. Attendez, je vais là-bas avant de revenir. Suivez-le. Hein? Esaïe 46, là. Tous ces acteurs de 21, il les a préparés à l'avance. Mmh. Il a dit à Adonai, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Donc, Paul parle comme ça dans son sang et le nom de Jésus. Donc, il dit que vous portez mon nom devant les rois. Il porte son nom. Porter son nom devant les rois. Donc Jésus est aussi comme ça. Il vient dessus, il a un projet, il dit que non, prends courage. De même quand tu as témoigné de moi à Jérusalem, il faut que tu témoignes à Rome. Donc quand il part à Rome, il s'assoit, le roi vient s'asseoir sur le trône. Il dit, j'ai persécuté, je sais Jésus, donc celui qui annonce. Donc Jésus l'appelle pour dire seulement que il annonce Jésus. Donc voilà, porter son nom devant les rois. Il n'a pas dit porter mon nom devant le roi pour qu'il soit sauvé. Vous savez, c'est des témoignages. Le jour où le Jésus dit, on a parlé de moi. Tu as compris? Savais-tu que tu étais à ma place? On y va là. Est-ce qu'il y a quelque chose pour me noter les versets que j'en ai parlé? Permettez-moi de lire Actes d'Apôtre, chapitre 26, finis ça. D'accord. Après, je vais dans Esaïe. Et puis, je rentre encore dans un chapitre 13. Non, je serais mieux que de lire un chapitre 13 avant de revenir. Mm-hmm. Regardez ici. Il dit, afin que c'est Jésus, ici c'est Jésus qui parle à Paul. Donc Paul raconte ce que Jésus lui a dit. Mm-hmm. Il dit, j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Donc les païens, même si tu es intelligent n'importe comment, tant que quelqu'un qui n'a pas été envoyé par Dieu, qui a été envoyé par Dieu ne te parle pas, tu es quand même dans l'aveuglement. Mm-hmm. Donc tu ne vois pas. Pas que tu as les mal les yeux, qu'il faut prendre le colis dans les yeux, non. Même si tu portes les grosses verres des frères messieurs, frères Josué, d'Isaura là. En fait, tu n'as pas le discernement. Hein? Voilà. Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Et puis il dit, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Il y a un magasin d'héritage. Il y a un bienfait céleste. Il y a un bienfait d'en haut. Il y a un endroit équipé pour nous que le Père a promis depuis longtemps. Mais il faut que quelqu'un se place sous l'autorité du sang de Jésus. On ne se place pas sous l'autorité du sang de Jésus. Quelqu'un doit être envoyé pour prêcher, pour que la sanctification de l'Esprit vienne sur toi. Si ce n'est pas ça, tout ce que tu fais, c'est une fausse doctrine. Tu vas dire ce qui est vrai, ça ne te lavera pas parce que ça n'a pas été ordonné. Comprenez cela? Jéroboam peut prendre les sacrifices donnés sous l'autel. Il a la lèpre parce que ce ne lui est pas ordonné de faire. C'est le rôle du prophète. Ézéchiel, Acte chapitre 13. Regardez ici. Verset 41. Donc l'apôtre Paul va aller chez les juifs, là, dans le contrée des juifs là-bas. À partir du verset 42, la Bible déclare, dans Actes d'Apôtre chapitre 13, vers le verset 42, puis j'écris ici pour Esaïe. D'accord? On y va. Personne ne dit plus Amen. 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 Même si on ne dit pas, c'est quand même vrai. C'est vrai, non? On y va. Oui. Lorsqu'il sortit, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et des prosélytes pieux suivis Paul et Barnabas, qui s'entretint avec eux et les exhortait à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. T'entends ça? Toute la ville se rassembla. Il n'a pas la Bible qu'il a de les lire. Il vient seulement, il sort chez lui, il vient, il s'attient là. Ce qu'il a de dire sort du trône de Dieu. C'est le Dieu qui a de parler. Dès que tu parles, dès que tu acceptes, quelque chose fait, boum, tu es parmi les gens qui vont aller au paradis. Juste ce qu'il dit. Maintenant, je suis obligé de prendre la Bible, vous le lire pour essayer de soutenir ce que je suis en train de vous dire. Que le discernement est devenu sur la terre, où on va penser.
appeler quelqu'un sans ouvrir la bouche, mm-hmm. en pensée. Et j'essaie tant bien que mal de vous montrer ça les Saintes Écritures. Que ça, l'étape qu'on va trouver là-bas. Ouh. Verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Ils disent, non, quand un proche ici, on n'a pas souvent les gens comme ça. Pourquoi les gens viennent dans son réunion? Et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur disent avec assurance, écoutez, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, donc, il dit clairement ce qu'ils annonçaient, c'était la parole de Dieu. Mm-hmm. Ce qui sortait. Dans le chapitre 18 ici, Paul, on voulait le tuer à Corinthe. Dieu, il voulait fuir pour partir. Le Seigneur dit, reste dans la ville, j'ai un peuple nombreux, parle. Donc, il dit, parle. Personne ne te mettra la main dessus. Paul a dit, ah bon, oui, oui. Jésus que je vous annonce, c'est lui qui est le salut. C'est tout ce qu'il devait parler. Il dit, parle, car j'ai un peuple nombreux. Le point que je vais vous faire comprendre, c'est que quand on parle, les gens écoutent, ils sont sauvés. Amen. On n'est pas sauvés parce qu'on parle à l'église ou quoi que ce soit. C'est parce qu'on écoute. Quand on écoute, quand on reçoit, dès que ça entre, même toi, tu ne peux pas te désauver. Amen. Même si tu refuses que tu es sauvé, tu es quand même sauvé. Parce que le maïs ne peut pas refuser que les maïs. Non. Même si tu mets la peinture, le vernis sur lui, c'est quand même le maïs. Très bien. Alors, il dit, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, écoutez bien, nous nous tournons vers les païens. C'est la chose qu'il ne faut jamais entendre. Parce que quand on tourne, la porte est fermée pour toi. Il dit, écoutez bien ça, verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Tu vois ça? Il dit aux gens, nous partons chez le païen, nous sommes les juifs. Normalement, on ne devait pas aller là-bas. Mais c'était prévu dans les Écritures que on doit aller là-bas à cause de votre acte. Quand vous avez commis cet acte, la prophétie se tourne vers eux. Pensez-y maintenant. Il dit, car ainsi nous a ordonné le Seigneur. Je vais aller maintenant dans le verset, ce qui va signer, ce qui va citer au chapitre 42. Ésaïe, chapitre 42. C'est Ésaïe 46. 42. Oui, revenu pour 46, lorsqu'on va parler de Babylone, de la chute de Babylone et de tout ce qu'il y a dans le cœur à cause de ça. Parce que tout à l'heure, parlé que voici le veau d'or. Et là, on va parler des idoles et des autres veaux d'or. Donc, voici, voici 42, chapitre 42. Maintenant, lisons d'abord ce qu'il dit dans ces actes des apôtres. Il dit, oh, c'était où? Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Ça, c'est au verset 47 du chapitre 13 d'Ésaïe, des actes des apôtres. J'étais établi. Voici ce que nous a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations. Donc dans leur écriture, ils lisaient chaque jour dans Isaïe que lumière des nations. En temps, il y a Israël, il y a nation. Quand les Juifs entrent chez les païens, ils disent, tu entres chez les nations pour dire, alors c'était prévu là-bas. Je te louerai parmi les nations. Comment on va louer le Dieu des Juifs chez les nations? Quelque chose devait faire que Dieu aille chez les nations. Parce qu'il était le Dieu d'Israël. Donc il fallait l'aider en discernement. C'est pour ça que la Bible parle du mystère de chute d'Israël. D'accord? Alors, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations. Un. Écoutez bien. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, l'apôtre Paul a parlé de lui dans Ésaïe. Ésaïe a parlé de lui. Regardez bien. Les païens se réjouissaient en entendant cela, juste en entendant cela, et glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés pour la vie éternelle crurent. Il a passé toute la journée à démontrer que Jésus est leur Messie. Ils ont refusé. Les païens étaient à côté, ils ont dit qu'on part chez les nations, ils vont entendre la voix de Dieu, ils vont croire. Ils acceptent que, ah bon, oui, ils croient, ils ont la vie éternelle. Maintenant, chapitre 42 d'Isaïe. Verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix. Et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Donc, nous voyons clairement que ici, dans le livre des Matthieu, on dit que Jésus ne parlait pas dans les rues pour que ce qui était écrit dans le livre d'Isaïe s'accomplit. Si vous lisez Matthieu chapitre 12, ça se trouve là-bas. Puis il dit, il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se lâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Sur toute la terre entière maintenant. Et que les îles espèrent en sa loi. On parle de Jésus. Vous voyez cela? Maintenant, puis il dit, verset 5. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et la terre et les a déployés. Qui a étendu la terre et ses productions. Qui a donné la respiration à ceux qui peuvent la peuple et le souffle à ceux qui y mangent. Moi, l'Éternel, j'étais appelé pour le salut. On parle de Paul cette fois-ci. Voilà son appel. Maintenant, écoutez bien, écoutez. Et je te prendrai par la main.
voyez ça? Je te prendrai par la main, je te garderai et j'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la prison les captifs et de les cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. N'est-ce pas ce que Jésus lui a dit? Jésus lui-même a dit ainsi dans Matthieu, à ces apôtres-là, que je t'établis pour que tu fasses passer des ténèbres à la lumière. Donc, Paul et Jésus étaient liés dans les écrits. Jésus était le salut. Il est le salut. Et Paul devait porter ce salut dans la nation. Amen. Et c'est justement comme tu as dit, c'est chez lui on a tué Étienne. Balène, Anne, les jetait donc. Ça dit que le traître de leur groupe était parmi nous. Donc Dieu avait envoyé une taupe là-bas. Magnifique Jésus. Il a envoyé, fait entrer dans la franc-maçonnerie le plus poussé des pharisiens. Poussé dans le pharisianisme, il était là. Quand tu as fait le conseil, il connaît comment ça se passe là-dedans. Pourtant, il était à côté de Jésus. C'est lui qui est prévu dans Jésus pour porter même ce Jésus-là dans les nations. Mais, vous voyez comment Dieu est infiniment sage. Quand on a tué Étienne, c'est devant, c'est plus qu'on a lancé justement la Bible. Pour dire, tu arrêtes ça, on a dit oui. On va aller tuer, tu comprends? On a dit oui. Alors que c'est lui qui est censé aller annoncer ça. On va dire, non, on dit que c'était une taupe, c'était un truc, c'est Dieu qui l'a infiltré. C'est pour ça que quand n'importe qui est dans la franc-maçonnerie, dans n'importe quel secte, n'importe quoi, il ne faut pas le condamner. Parce que tu ne connais pas quel est le plan de Dieu pour lui. Tu pourras dire quelque chose quand tu as le plan, avec certitude, le plan de Dieu. Quand tu ne connais pas, Dieu peut changer quelqu'un maintenant, quelques secondes. Il devient maintenant plus un prédicateur où tu vas dire que c'est toi-même qui vas se plier là. Si les autres. D'abord, Anan a dit lui-même que Dieu, Jésus va envoyer, je lui vais dire que Seigneur, tu as bien choisi le type là, tu connais même. Tu parles de celui qui est à côté de lui ou bien le monsieur là. Il dit, tu connais même ce qui est entre les mains, le rouleau là. Dans l'intérêt, c'est autorisation pour amener l'Anan et tous les autres à Jérusalem. Et tu m'envoies vers lui, il dit, va. C'est un homme, c'est un instrument que j'ai choisi. Ah, je me sens bien. Comment on va lire la Bible conscience, on ne doit pas bien se sentir. Point quelqu'un me l'a dit, est-ce que tu connais le plan de Dieu pour toi? Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour toi? Change de personne. Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour toi? Si tu connaissais le plan de Dieu pour toi. Si tu connaissais le plan de Dieu pour toi. Tu ne t'inquiéterais pas. Tu ne t'inquiéterais pas. De ce que l'on dit de toi. De ce que l'on dit de toi. De ce que le Seigneur dit de toi. De ce que le Seigneur dit de toi. Tu dois t'intéresser à ce que le Seigneur dit de toi. Tu dois t'intéresser à ce que le Seigneur dit de toi. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Alors vous pensez quand Paul passait, comment les autres qui travaillaient avec lui venaient? D'un côté, chez les pharisiens, on va dire que Fingon, traître. Du côté des chrétiens, qu'on ne le connaissait pas encore, dire tueur. Tueur. C'est un infiltré. C'est sûr qu'on a infiltré. Donc, dans les deux camps, il a des problèmes. Assurément. Voilà l'homme du Seigneur. Amen. Alors, le point, c'est il devait le faire passer des ténèbres à la lumière. Pourtant, Jésus avait accompli ça à la croix. Vous voyez ça? Jésus a réglé le problème des ténèbres à la croix. Dans ce même Colossiens, on dit qu'il a dépouillé, écoutez bien, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrés en spectacle. Je viens de vous dire dans la vision que les puissants des ténèbres que j'ai vus là-bas en haut, ceux-là, c'était une deux catégories. Ils ne sont pas encore la catégorie les plus méchants. Il y a les dominations, il y a les autorités, les principautés. Mais les plus dangereux, les plus qui sont plus proches de nous, c'est les plus méchants. Les méchants dans les lieux célestes. Et je dis ceci, les Saintes Écritures démontrent que Christ les a dépouillés. Mais regarde les puissances, on dit qu'il les a dépouillés. Après, il dit, maintenant, tenez à vos reins la vérité pour Saint-Dieu, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les dominations. C'est lui qui dit ça. Donc, comme on a dépouillé quelqu'un, nous avons encore à lutter contre eux. Donc, dans le dépouillement, il y a le droit. Et ce droit-là est révélé à quiconque appartient au camp du droit du Seigneur. De telle enseigne, quand il te donne ton droit, tu connais exactement que cette catégorie-ci, spontanément. C'est pour ça que les gens qui ont des visions, où ils se confrontent des ténèbres ou bien certains démons, vous ne pouvez pas connaître des catégories de démons sur la terre, jamais. Parce qu'il y a des catégories de démons que la Bible n'a pas parlé. C'est uniquement dans l'esprit que vous les voyez. Maintenant, quand vous les voyez dans cet esprit-là, à cet instant-là, le Saint-Esprit vous donne comment il faut combattre. Vous ne pouvez pas apprendre ça à quelqu'un. Vous voyez cela? Vous ne pouvez pas apprendre. Parce qu'en fin de compte, dans la dimension spirituelle, le nom de Jésus se transforme souvent en instrument. Le nom de Jésus se transforme en instrument. Souvent, même ton propre corps peut se transformer littéralement en instrument. Ta main. Vous allez voir, quelqu'un m'a dit que j'ai rêvé. Et puis, dans le combat, je ne sais pas où un bâton est sorti. Bon, c'est un bâton que tu vas tuer un être avec. Un bâton. Mais quand tu vois, tu crois que c'est le bâton. Et puis, un temps, je me suis dit, et puis, j'ai seulement levé la main. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Tu ne sauras jamais pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il a levé la main. Une lumière est sortie. Donc, cette catégorie, c'est la lumière qui va le combattre. Mais imagine, on dit que tu vois les démons. Tu cherches au nom de Jésus. Il y a des démons dans la catégorie. Tu prononces le nom de Jésus là-bas. C'est sous le soleil que ça fonctionne.
tu es au nom de Jésus par connaissance, au nom de Jésus par connaissance. Là-bas, la dimension du nom de Jésus résonne dans tout l'univers. La dimension du nom de Jésus n'est pas de raison, ça ne résonne pas à cause du prononciation. Tout l'univers respire la crainte du nom du Seigneur. Tout l'univers. C'est sur la terre que Satan a mis la désobéissance dans le cœur humain. Au point où on ne voit pas son œuvre agencée. Là-bas, il craint le nom de Jésus. De temps, c'est quand tu viens en tant que croyant sur la terre, étant. Pourquoi est-ce qu'on dit même ces choses-là? Quand tu viens, tu entres dans cette dimension-là. Sur toi est écrit le nom de Jésus. On connaît qui tu es sans que tu ne saches qui tu es. Donc quand il te voit comme ça, il sait que voici un de Jésus. Amen. C'est à cause du beau nom que nous portons. Amen. Amen. Portons. Donc, les croyants en Christ Jésus sont des gens qui sont puissants, mais qui s'ignorent. C'est pour ça que quand vous allez voir que quand ceux-ci rêvent, tous ceux qui sont à Christ, quand ils rêvent dans la dimension spirituelle, ils ont toujours la victoire. Dieu montre seulement que vous avez la victoire sur ces gens-là. Amen. Mais sur la terre, la réalité physique. Tu vois comme ça, l'amour de tête te tape jusqu'à tu dis hé. Hey. Dans la réalité physique, vous verrez Satan avoir la puissance. Satan a la puissance dans la chair, mais dans l'esprit, en Christ, vous avez vaincu. Dépouillé. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a publiquement livrés en spectacle. Donc, il reste à l'église de manifester. Maintenant, je peux avancer maintenant. Donc, on dit dans ces Colossiens chapitre 1, qu'il est la tête du corps. Donc, c'est Christ qui réfléchit en nous. Ça me va. Hein. Ça me va très bien. Il est la tête du corps de l'église. L'église qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc en réalité, on est comme ça. Notre tête est dans le ciel. Donc on agit ici selon une pensée céleste. Dieu veut donc communiquer donc les possibilités qu'il a en tant que créateur dans la créature. Vous voulez qu'on voit quelque chose? Très bien. Un pied. Un verre à pied. Vous imaginez que ce qui en est devenu la personne propre mentir. Tu peux venir quelqu'un, chez quelqu'un, tu as 20 000. Bah oui, mon frère, je n'ai que 10 000. Tu peux génial, te dire. Génial. Pourquoi ça arrive vite? Ça va commencer avec les prophètes. Ça va commencer avec les prophètes. Dès que ça commence avec les prophètes, sachez que ça nous d'arriver. Ah ça. Amen. Donc, j'ai dit ceci afin que les gens. La crainte du Seigneur, c'est, le nom du Seigneur sera restauré au milieu de son peuple. Amen. Sera craint au milieu de son peuple. Amen. Où les gens entrent dans la cette dimension, c'est quelqu'un manque, il tombe, il meurt. Oui, c'est une bonne chose. Quand c'est ton fils qui meurt, tu vas voir que ça n'a fait pas une bonne chose. C'est son problème. Parce que les gens mentent trop. Le monde est conditionné par le mensonge. On y va. Regardez, je vais lire 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Ce que je suis en train de dire là, c'est dans la Bible, c'est seulement enveloppé. C'est le moment de dévoiler cela. Amen. Béni soit Dieu. Nous sommes au chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Nous a régénérés. Nous a fait naître de nouveau. Nous a régénérés. Donc, on est né de nouveau pour quelque chose, d'accord? Pour une espérance morte. Pour une espérance morte. Elle n'est pas née de la Bible. Elle est en train de noter. Ah, je crois qu'elle suivait la Bible. Pour une espérance vivante. Donc, la nouvelle naissance, c'est pour qu'on commence à expérimenter des choses vivantes. Autrement dit, il nous a régénérés pour une espérance de la vie surnaturelle. On ne naît pas de nouveau maintenant. Vous remarquez que l'histoire de la religion, c'est que quand on chante des musiques qui sont dormantes, c'est les musiques du deuil. Au point où on a réglé les musiques dites chrétiennes maintenant pour les musiques du deuil. Quand je chante Purifie mon cœur, tu vois, chacun met la main comme ça, sanctifie. On dit pourquoi tu mets la musique du deuil. Donc on a relégué les musiques des louanges du Seigneur au niveau du deuil. La vie normale de ceux qui croient au Seigneur Jésus, des disciples du Seigneur Jésus, c'est la vie surnaturelle. Donc, c'est le Dieu surnaturel qui marche dans le naturel pour prononcer la divinité dans l'humanité. Et cela étant, ça montre qu'en réalité, on a mal enseigné les gens. Quand tu vois des gens aller à l'église dans le temps, on dit que non, c'est quand tu as raté ta vie que tu parles là-bas. Pourtant, la Bible déclare que l'expression de nos vies doit plutôt attirer les gens là-bas pour qu'ils portent le regard sur nous. Pourquoi? Parce qu'on a conditionné les gens plutôt dans la religion et non dans l'espérance vivante de la foi, véritablement. La foi, véritablement, quand tu as foi,
La Bible déclare dans Actes chapitre 4 que les autres peuples n'osaient pas s'approcher d'eux parce qu'une grande grâce les couvrait, il n'y avait point d'indigents. L'Église n'avait rien à désirer du monde. La chose est tombée si bas lorsque l'Église a commencé à se plier sous l'autorité de la politique et fait introduire le monde au milieu de l'Église. Vous imaginez Paul en train d'aller quelque part. Cette dimension était des rois. Lui, c'est ce qu'il prêche devant le roi. Le roi dit que tu vas venir, tu veux me convertir. Pas vrai? Tu demandes à quelqu'un, un roi, qu'il est en prison. Pourquoi il dit, bon, mais je ne sais pas, depuis un an, il est ici. Si ça dépendait de moi, il devait laisser le type ici. Il croit que c'est lui qui est en train de laisser. C'est Jésus qui l'a mis prisonnier. Pour qu'il reste là-bas, pour qu'il, chaque fois, il est obligé d'entendre le nom de Jésus. Regardez ça. Maintenant, écoutez. Il dit, pour une espérance, quoi, vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il dit, pour un héritage. Donc, si tu es régénéré, si tu es né de nouveau, il y a un héritage pour toi. Nous sommes là pour distribuer les héritages désolés. Amen. Les héritages emprisonnés. Amen. Et il y en a trois personnes sur la terre ici qui vont recevoir quelque chose à cause de moi d'abord. Amen. Vous qui doivent savoir, ce que ces personnes doivent savoir. Amen. Les personnes-là savent de qui je suis conscient. Chaque personne est consciente. Ça vous est bazar. C'est ça. J'ai prêché sur ça, ma femme ne veut plus manger. Aïe. On y va. Regardez, il dit, verset 4, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Pensez-y. Si tu es né de nouveau, il y a quelque chose qui vous attire. Vous attend. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 26, nous avons lu dans la fin du verset concernant l'apôtre Paul, il dit, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dans Éphésiens, il dit, afin que vous compreniez quelle est la dimension ici et l'héritage qui s'attache à l'appel. Savez-vous que si c'est possible, Dieu vous montre ce que vous avez sur la terre, au ciel là-bas, vous allez dire, Seigneur, dans deux minutes, je ne veux plus être sur cette terre-ci. Parce que vous savez qu'à quel moment quelque chose peut vous déchoir, et c'est pour vous ne pas se terre. C'est pour ça que le Seigneur veut qu'on n'entre pas à la foi. Mais nous sommes là pour vous dire, vous avez une espérance. Jésus, lui-même de sa propre bouche, a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Le Seigneur a dit qu'il revient, non? Amen. Il ne revient pas seulement parce que le catholique dit qu'il reviendra, je reviens à un moment. Ça, c'est leur problème. Il revient d'abord prendre d'abord les sanctifiés. Donc, les vivants et les morts ne seront plus parmi eux là-bas. Il dit, et afin que là où je suis, vous y soyez. Point, quelqu'un dit que tu as un héritage. Dis encore, tu as un héritage. Tu as un héritage. Tu as une portion dans le ciel. Tu as une portion dans le ciel. Peut-être tu as une location sur la terre. Peut-être tu as une location sur la terre. Ne crains pas. Ne crains pas. À l'éternel, la terre est tout ce qu'elle renferme. À l'éternel, la terre est tout ce qu'elle renferme. Mais il a une grande part pour toi dans le ciel. Ne crains point. Ne crains point. Tout ce que tu vois est éphémère. Tout ce que tu vois est éphémère. Ton espérance ne peut pas passer. Ton espérance ne peut pas passer. Absolument. Il a dit ici que pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, il dit lequel vous est réservé dans les cieux. Amen. C'est pour ça qu'Abraham avait refusé d'aller construire sur le territoire d'Israël. Quand il a vu ça, il a salué Dieu et dit que c'est si, je ne veux pas ça. Allons-y de l'autre côté. Il est allé, il est devenu le père de l'héritage qui s'obtient par la foi. Le sein d'Abraham. Continuons ici, il dit vous, à vous, qui par la puissance de Dieu est gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous entendez ça? Regardez ça. Il parle ça à ceux qui sont gardés par la puissance de Dieu dans la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Pierre savait que ça ne les concernait pas. Ça doit être dans les endroits où ça doit être proche que le temps va finir. Et c'est pour eux. Et il dit que c'est une révélation à venir. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, il le faut, que vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé, suivez ça, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, celui-ci en a décrit, il est sous la grâce. Il dit les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous
Il fait comme si ça ne le concerne pas. Qui vous était réservé, on fait de ces saluts l'objet de leur recherche et leur investigation. Quand les gens font les recherches sur le Kinimars ici, sur les dates des fesses, tout ça, ils faisaient sur la grâce, sur les chauves-souris pour regarder le Kinimars. Ici, voulant sonder l'époque, écoutez bien ceci, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Donc, l'esprit qui était en eux disait, il y a un temps de gloire que l'humanité va revêtir la divinité. Il y a un temps où Dieu va venir dans les cœurs humains, habiter sur la terre. Mais il y a un travail en amont pour faire ôter le cœur de Pierre. Les prophètes ont dit, quoi? Comment ça va se passer, Père? Comment ça va se passer? Seigneur, est-ce qu'il peut mourir maintenant pour naître à cette époque? Ça ne te concerne pas. On dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant à la grâce qui vous est réservée, ont fait de ces... Donc, c'était l'objet de leur recherche, de leur méditation quotidienne. Et la Bible déclare, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Il ne dit pas pour nous. Écoutez bien, pour nous. Il dit pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Ça dit qu'on dit écrit. À Daniel, Daniel a dit, lui-même il a écrit, aussi il a dit à l'ange qui lui parlait, il a dit que mon Seigneur, je ne comprends pas. Il dit ça te concerne pas. Écrit seul. C'est pour les portes de la fin. Ils liront, la connaissance augmentera. Maintenant on va arriver, on va sortir par Daniel pour que vous voyez de quoi les questions. Que Daniel a parlé de l'époque de Noé et de l'autre là. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant. Donc Paul, il parle de que les apôtres, les prophètes ont parlé, que les. Écoutez bien ça. Pierre était à marcher physiquement avec Jésus. Il a donné de dire que les prophètes d'antan ont parlé de l'époque qui concerne l'époque de la fin. Et ils avaient fait l'objet de salut ça. Il dit que ce n'est pas pour eux, mais pour vous. Il n'est pas pour nous. Pourquoi il se retire? Parce que ce n'était pas de l'époque que ça va se manifester. Il dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient, eux, ils étaient seulement les dispensés de ces choses que vous ont annoncées maintenant. Donc, les choses qu'on annonce maintenant ont été annoncées, c'est pour vous. L'époque de la fin. Ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du Seigneur, dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Ils prêchent juste la pensée de Dieu. Les anges sont là pour regarder. Imaginez ce qui vient d'arriver. Donc tu seras là, assis. Un ange sera là, dans l'invisible. Tu seras en cause avec les anges. Sans que personne ne sache de quoi il est question. Oh, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 1. Regardez ça. N'est-ce pas? Peut-être je suis fou, non? Non. Ah, ben c'est moi. Oui, des dieux. Oui. 2 Pierre, chapitre 1 encore. Je vais lire à partir du verset 3 toujours. Donc, tout à l'heure, j'ai 1 Pierre chapitre 1, verset 3 et suivant. Maintenant, 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Après ça, je passe dans le livre de Daniel. Et puis, je conclue rapidement. Parce que si on continue, on va dormir ici. Mais souvenez-vous de l'oracle. La grande manifestation du discernement poussé du Saint-Esprit. Mais tu voulais aussi lire le passage là où Jésus a parlé des pensées. Je vais parler de cela. Je vais parler. C'est dans Luc chapitre 17. Je peux avancer là, Mamusa. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comme sa divine puissance nous a donné. Pas comme sa divine puissance va nous donner. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous a su de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Quelle promesse quelqu'un peut vous faire sur la terre? Non, il m'a fait la promesse qu'il va m'arriver, ça va me suicider, il ne me marie plus. Il va me suicider. Donc, c'est la plus grande promesse qu'il y a sur la terre. Vous entendez des bêtises comme ça. Il dit, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, ces grandes promesses-là, vous deveniez participants de la nature divine. Pensez-y maintenant. Donc, il y a des promesses qui nous ont été données qu'on va participer à la manifestation de la divinité. Pensez un pécheur comme moi, comme ça là. En train de regarder l'intestin de quelqu'un, comme ça par les yeux. Et en train là-bas, des intestins sont comme ça là. Pendant qu'on ne parle pas, un intestin de détourner. Ceci, on ne peut pas imiter. Satan va se limiter ici là. Il dit, regardez,
comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Regardez ça. Il dit, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature. Pas à la nature. Participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par le convoitisme. Donc, il faut que la divinité soit en nous pour que ça nous empêche de pécher. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, les sept niveaux. Voilà ce qui est écrit là-bas. Vous y êtes? Très bien. On revient. J'ai plus long dans ce qu'il dit avant de finir avec Daniel. Mm-hmm. Jésus dit ce qui s'est passé du temps de Noé, se passera. Mm-hmm. Ce qui s'est passé du temps de Lot, se passera. J'ai pris le temps de Lot. On a vu clairement que avant que Lot entre dans l'âge, quelqu'un a été enlevé. Enoch. Avant que Lot ne soit, parce qu'on dit clairement qu'à Sodome, il est sorti, le feu a sorti. Mais il y avait un débat entre quelqu'un et ceux qui discernaient les pensées. Pendant que ça se passait là-bas, quelqu'un était de ce côté-ci qui n'était pas dans le feu, il ne fuyait pas la persécution. Il était mis à part, à côté de lui. Donc les anges qui allaient pour créer le jugement là-bas, Dieu n'était pas avec eux. La personne qui était avec était en lieu et place du Seigneur. Il était là pendant ce temps-ci. Il dit, pourquoi Sarah a ri alors qu'il était la tante derrière lui? Donc pendant qu'il était là, quand ça se passait dans l'autre, il y avait le discernement de pensée sur la terre. Autant que Harry, jusqu'à ce qu'il a donné Isaac, qu'elle a ri. Elle a dit qu'elle n'a pas ri. Elle a dit qu'elle a menti. Il dit pourtant tu as ri. Laissez-le. Là, tout, est-ce que ça va? Oui, tout là, ça va. Mieux tous comme ça, au lieu de bavarder. Alors donc, vous remarquez que Abraham était mis à part sous une tente non persécutée alors que le feu descendait à Sodome. Donc, l'enlèvement et la grande tribulation sont comme ça. Quelque chose passe. Celui-ci ne passe pas par la grande tribulation. Il est mis à part, causant avec le Seigneur pendant que la tribulation ne s'est passée. Vous avez vu ça? C'est ça notre question. Le discernement des esprits donné aux croyants pour l'œuvre de la participation de la nature divine sur la terre. C'est une grande visitation que les prophètes et les apôtres n'ont pas eu. Dieu va donner ça à l'église du temps de la fin pour rendre réelle la mission des fils sur la terre. Amen. Ça arrive. Amen. C'est lui qui le fera. Personne ne peut imiter ceci. Toute imitation, c'est la mort qui va venir. Parce que le Seigneur ne voudra pas qu'on... En tout cas, personne ne pervertira son œuvre. Les apôtres ont essayé d'exercer là-dedans. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit? Demande pardon à Dieu pour qu'il te pardonne sur ton cœur parce que je vois que tu es dans un fiel. Amen. Non. Ananias, c'est assez que tu as vendu. Ce n'est pas un nom que tu as vendu au Saint-Esprit. En entendant cela, il est tombé, expiré, il est mort. Vous pensez ça? Ça sera grave. Permettez-moi de lire quelque chose. Regardez. La soeur Hélène dit respire encore trois fois, alors que c'est elle qui a dit que ça, les périodes nous manquent. Nous sommes là dedans maintenant. Voilà, je suis en train de parler. Après, tu vas prendre ton avion, tu vas partir, tu vas rentrer, tu vas encore entendre que ça se passe encore ici. J'aimerais rester. Reste alors, est-ce que qui t'a arrêté? Si tu veux rester, vrai, prends ton passeport, tu déchires, tu jettes ça là-bas, on voit. Je n'ai pas tout seul. Mais il faut que ça soit la volonté que tu déchires le passeport. Il faut que ça soit la volonté que tu restes. Tu vas partir, tu vas savoir qu'on t'entend ici. On y va. Vous savez ce qui est amusant? Ce qui est amusant, c'est que je cherche le travail. Après, il me fâche même devant Dieu. Il dit tous les diplômes que tu m'as donné, c'est pourquoi. Un jour, il me met à genoux, mais ma femme est dormie. Je place tous les diplômes, je place comme ça jusqu'à dire, mais le type, s'il me faisait faire tous les bêtises ici, pourquoi? Ça, ceci, mais c'est maintenant à quoi? À quoi? Vous savez ce qu'il dit? Mm-hmm. Très bien. Il nous fait saliver. On y va ici, regardez. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14. Regardez. Verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'ils se souviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes tous fous? C'est vrai ou c'est pas vrai? Maintenant, écoutez, mais si tous prophétisent et qu'ils se souviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Écoutez bien, écoutez. Verset 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Écoutez ça.
de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu. Le discernement arrive. Amen. Discernement. Et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Vous avez vu ça? Amen. C'est ça au milieu de l'église. C'est pas quand la catégorie que ton numéro de téléphone, c'est, ça finit par 48. Ah oui, ça. Tu as porté le caleçon rouge et bleu. Il y a une marque d'étiquette là-bas, c'est Gucci, 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 Gucci. Non, non, c'est pas ça, on dit les questions. Le discernement de pensée du cœur. Les choses les plus profondes. Donc, à cet instant-ci, chaque personne doit se repentir de ses vrais, vrais péchés. Mm. Pour dire, Seigneur, pardon, ne me dévoile pas là-bas. Il a fini avec toi en amont. Exactement. Hey, quel moment merveilleux l'église en est laissé passer. Le point, c'est ceci. C'est que ce discernement se fait avec accompagnement de puissance. De telle sorte que tu discutes, on ferme ta bouche. Mm. Tu discutes, on ferme tes yeux. Mm. Ça tu discutes, tu meurs. Oui, mais c'est ça. C'est ça, tu meurs. Vrai, vrai là. On va devenir sauf pour lui. Le Seigneur sait quand il fait. Quand, regardez, quand l'ange est descendu pour dire à Marie, quand il est descendu chez Zacharie, il a dit Zacharie, ta prière, tes mots ont été entendus maintenant. Ta femme Elisabeth deviendra enceinte. Je dis, il dit comment c'est possible? Moi, c'est qui sont lui. Et c'est un sacrificateur. Il dit tu discutes avec moi. Tu vas voir. tu ne parleras plus. On dit maintenant Moumou Zacharie. Moumou Zacharie. Dès qu'il parle, il parle. Tu ne peux plus parler. Tu fais un peu comme ils sont, on dit que quand. D'où l'adage chez nous, Noumou Zacharia. Mais quand il est arrivé, le même ange arrive chez Marie. Il a dit comment est-ce possible? Je ne connais pas donc. Il dit la puissance. Ah! La puissance du Très-Haut. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. Vous entendez ça? Te couvrira de son ombre. Pas l'ombre si vous voyez là. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Tu es son tabernacle. Il créera un sein au milieu de toi, une cellule dans laquelle il va habiter. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de ton ventre sera appelé le Fils du Dieu Très-Haut. Amen. Et le Seigneur lui remettra le trône de David, son père. C'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Tu donneras le nom de Yeshua. C'est le lion de la tribu de Juda. C'est lui. Magnifique sauveur. Il n'a pas aveuglé Marie. Il n'a pas fermé sa bouche. Il tente, c'est la mère du sauveur. Il va voir la parole. Mais les mêmes doutes ont été donnés par les deux camps. Donc il ne faut pas dire que oh, tel s'est a menti l'autre jour, on n'a pas tué. Peut-être ta part, c'est pour toi contre qu'on va tuer. Puisque avant Anania, les gens mentaient au milieu de l'église. Les gens mentaient. Pensez-y là maintenant. Alors il y a des gens par qui Dieu va commencer la correction. Pour que la crainte s'empare des autres. Quand il a tué Uza, ça a fait que David comprend l'autre facette de Dieu. Il n'a pas dit que Uza, sa femme, va dire quoi demain. Son enfant va aller à l'école, on va faire comment? On va dire quoi? Il s'en fout. Vous y êtes? Très bien. Alors, le temps de Noé, ce n'est pas la nourriture qui était le problème. Ce n'est pas le manger, ni le mariage, ni boire, ni quoi que ce soit. Il y avait quelque chose au temps de Noé. Et au temps de Noé particulièrement, il y avait la mixissure. Deux époques se croisent. Et Jésus dit que ces époques-là vont se croiser à la fin. Un, l'homosexualité à outrance. Tant de Noé, tant de Lot. L'homosexualité à outrance. Particularité de tant de Noé, le croisement des races. Vous voyez? Le croisement des races. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient bénies en prix pour femmes. Le croisement des races. La semence a été faite. Qu'est-ce qu'on a de faire? La technologie en train de croiser la race humaine. Les démons sont des féodés avec les hommes. On voit ça. On parle dans Daniel, vous voyez. On est dans Daniel maintenant. Ça a donné naissance aux géants. Aux géants. Nous sommes les géants. Donc, vous remarquez donc. Et donc, la Bible nous dit, Jésus nous dit qu'au temps, ce qui arrivera au temps de Noé arrivera. Ce qui arrivera au temps de Lot arrivera. Au temps de Lot, vous connaissez exactement ce qui arrivera à Genèse. Les enfants, en Côte d'Ivoire, on parle des houbis. Les enfants sont dedans. Le plus grand. Ils ne discernent pas leurs pensées. Ils ne discernent pas les houbis. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire. C'est parce que le Seigneur a voulu seulement que ça sorte. Partout, ça se passe sur la terre. Ça va les grandir. On ne peut pas arrêter cela. La plus grande partie de l'humanité, le plus grave, c'est encore ce qu'il y a vu là-bas chez les musulmans. L'homosexualité n'est pas plus que chez les non-croyants. Quand pour eux va sortir, tous les robes vont sortir comme ça. Les imams, attendez seulement. Écoutez bien, nous sommes le quantième aujourd'hui. 28 octobre 2024. Bientôt, vous allez entendre une vidéo d'un imam en train de sodomiser, un autre imam va sortir. Quand ça va sortir, c'est parti pour la révélation des homosexualités dans les fils d'Adoulam et d'Ismaël. Peut-être qu'ils vont commencer à se repentir. Est-ce que c'est bientôt? Alors, dans le cas des
dans le cas de l'autre, nous voyons l'homosexualité, principalement c'était l'homosexualité à outrance, où toute la race était pervertie, pas vrai? Oui. Dans le cas de Noé, la caractéristique principale de l'époque n'est pas l'homosexualité, c'est le croisement contre nature. Mm-hmm. Nous sommes en plein là-dedans avec le croisement contre nature. On va au laboratoire, on essaie d'inventer les autres, on commence à faire maintenant, l'être humain peut avoir, tu peux avoir maintenant ton mari poupée. On va faire maintenant, tu sais pas quelque chose. On commence à, le robot peut aller au champ de travail. Dieu n'a pas donné au champ de travail au robot. Le croisement des races. Le plus grave, c'est cette tentative qu'ils sont de faire. Ils ont déjà croisé la race humaine avec les races interstellaires. Donc, les autres des autres dimensions se trouvent au milieu de nous. Donc, à notre époque, c'est le mélange des deux. Des deux races. Exactement. C'est ça dont c'est des questions. Et le... C'est pour ça que vous avez certains présidents comme ça qui ne sont pas des humains. Ils peuvent se marier même avec les femmes âgées. Ils sont même comme ça. Là. Bon, on lit ici, chapitre 2. Judas Iscariote avait un père et une mère, mais il était d'une autre dimension. Dans le livre de Daniel, c'est au chapitre 2, je vais lire ici. Je ne sais pas. Je vais lire dans la version française. Mais pour que je puisse lire ça bien, je veux que vous me trouviez la version King James. Pour que je lise. Parce que dans la version King James, je vais bien vous expliquer cela. Comme il y a les docteurs en écriture anglaise, avec la lettre anglaise dessus, ils vont nous dire ça. Même en pidgin, ils vont nous dire ça. Hé, hey, maman, Mangrita. Maman, Greta a dit que si elle veut un tumeur, son tumeur. Hé, je me sens bien. Père, merci pour ce que tu fais. Qui sommes-nous pour que tu donnes les oracles? Merci, Père de gloire. Qui ne te craindra en ce moment? Alors que tu élèves ton nom sur la terre. Merci pour la puissance. Merci pour le discernement. Vous savez, j'ai vu des anges venus sur la terre, noirs, habillés avec la barbe, hein, en jeans, enfilés avec les ceintures. Sera publié là-bas, c'est publié, ça sera joué, ça sera du quand ça a été programmé, ça sera les gens, les anges des discernements, les anges des avertissements, quelque chose comme ça là. C'est Subambay Basbendo, ça va être joué. Les anges des jugements, quelque chose comme ça, je sais quoi que c'est le titre là-bas. Ça sera joué. Je les ai vus en tête de maison à maison. C'est quand ils sont en tête de maison que j'étais avec eux, que j'ai vu dans une maison, il y avait 6 enfants, 4 n'étaient pas pour le père de la maison, ils ne savaient pas. La femme ne savait pas. C'est terrible. Avec les lots des dossiers qu'il est allé au ciel avec. Quand ils passent dans un pays comme ça, c'est le jugement qui va venir par la suite. C'est les gens, anges de recensement. Quand ils viennent sur la terre, tout ce que tu fais, les pensées de cœur, c'est stocké dans les dossiers des archives du ciel. Ils partaient de maison en maison. Ils te parlaient ça, non? Il y avait un qui était nerveux là-bas, l'autre qui était là comme un gars de corps. Ils étaient là. Au milieu des gens, un dimanche, ils marchaient comme les gens qui sortaient du culte. Alors que c'était les anges qui étaient au milieu de nous. Dès qu'ils les ont vus, ils ont dit, waouh, celui-ci, voici, qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur la terre? Comment ils n'ont pas été prévenus? Ils disent qu'il y a une époque où on en a voulu accélérer les choses au ciel. Il est entré dans une maison, il avait pitié. C'est quand un ange là a parlé de Jean-Pierre. Oui, maman, tu voulais dire quelque chose? Moi, je voulais demander, il est toujours là, Jésus? Qui ça? Jésus. Il sera là jusqu'à la transition. Okay. C'est lui qui va faire la transition au Cameroun. D'accord. Gloire à Dieu. C'est un ange qui vient ici, il va nous finir les choses ici. Là. C'est le fait qu'il soit ici n'empêche pas qu'il soit au ciel. Donc, quand tu as pris pour lui, c'est au ciel. Je comprends les dimensions, mais je voulais demander. Donc, il ne manque pas au déjeuner là-bas. Si elle est déjeuner dans l'autre dimension, dans cette dimension, c'est pas comme ça. C'est comme ça qu'elle est. Vous êtes dans Kim Jong, vous ne pouvez même pas télécharger vos histoires d'iPhone là. Tu as trouvé mon garçon? Il n'a pas l'iPhone, il n'a pas trouvé. Il a aussi l'iPhone. Mais j'ai trouvé. Mais voilà. Je veux que vous ouvrez cela parce que quand il va lire ça en français, il va continuer. Tu as ça maintenant. Ouvre-moi chapitre 2. Oui. Tu peux lire en anglais. Oui. On dit que tu peux lire en anglais, il me rit. Tu peux lire en anglais? Can you read in English? Of course. Of course. Of course. Ok, lis d'abord le verset 1 beaucoup plus qu'on s'en suit. Ce n'est pas là où je vais aller. À haute voix. Hein? Now, in the second year of Nebuchadnezzar's reign, Nebuchadnezzar had dreams. Même ça, oui, ça se prononce bien. On se comprend que la voiture de l'anglais, là, ça sera bien. Elle va bien pour lire ça en anglais. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Très bien. Dans ce livre du chapitre 2 de Daniel, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, va voir quelque chose, une statuette, pas vrai? Et le Seigneur va lui enlever cela dans son esprit parce que c'est lui qui a donné le songe. Et cette statuette qu'il voit, c'est la période que Dieu a tracée pour l'humanité. Cette statuette, c'est la période que Dieu va tracer, qu'a Dieu a tracée pour l'humanité. Il n'a pas décidé de donner ça aux gens qui le craignent. Il a donné aux gens qui ne le craignent pas.
donner l'interprétation à celui qui le craint. Donc il y a ici Nebuchadnezzar, de l'autre côté Daniel, qui est dans le royaume de Dieu. C'est pas Daniel qui a vu, c'est Nebuchadnezzar qui a vu. Il ne connaît ni le songe qu'il a vu, ni l'interprétation. Daniel vient, bon, je vais faire l'économie de tout le temps qu'on a là, parce qu'il veut qu'on aille par rapport à l'époxy. Écoutez-moi bien. Daniel vient donner l'interprétation. Je crois que ce serait bien qu'on voit la statuette. On voit la vision de la statuette, là où Daniel commence à parler, d'accord? Et on voit l'interprétation, et je vous dis maintenant en quoi ça nous concerne. On est d'accord? Très bien, je vais la partie verset 22. Verset 22 se trouve aussi là. Le verset que je veux que tu lises, ça sera en anglais, ce sera un seul verset, d'accord? Il faut pas nous embrouiller en anglais ici là. Verset 22 dit, il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue. De ce que tu m'as donné la sagesse et la force. Et de ce que tu m'as fait connaître. Tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Vous pouvez imaginer ça? Le secret du roi. Après cela, Daniel s'est rendu auprès d'Ajok, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Vous êtes prêts? Ajok conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret de ce que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Vous y êtes? Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Alléluia. Applaudissons pour ce Dieu-là d'abord. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître. Regarde bien. Il ne dit pas qui m'a fait connaître. Qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Donc, on est clair que la vision concerne la suite des temps. Le déroulement historique. Maintenant, écoutez. Voici ton songe. Et les visions que tu as eues sur ta couche. Le gars dort seul, quelqu'un vient lui dire ce que tu as vu. En étant lui, il l'a vu, il a oublié. Quand tu dis, Dieu lui rappelle que ah, c'est ce qu'il a vu, ce que tu dis, il y avait la voiture rouge. Il avait, comment tu fais pour qu'on ça? Il y a un Dieu qui révèle les secrets. C'est Dieu sur le point de révéler les grands secrets. Amen. Ou quelqu'un même dans le monde, pour pécher, va dire que les gars, ils vont nous voir. Génial. Magnifique. Je vous le dis. Parce qu'avec ça, les ténèbres n'auront pas de place. Avant qu'on les quitte sur la terre, ils vont avoir du mal à s'établir sur la terre. Parce que quand ils vont vouloir se réunir, on connaît exactement où ils vont se réunir et la puissance est donnée pour dégommer cela. Il n'y aura plus de réunion de voyage astral. Chacun va voyager dans son ventre. On y va. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté défoncé. Sur ta couche. Donc tu allais te coucher dans la soirée. Une pensée est venue dans ton cœur. Remarquez, il a de discerner les pensées du roi alors qu'il ne t'aime pas parmi. Et donc, tu allais te coucher. Quand tu as fini de te laver, tu as dit, maman, Isa, dernier thé. Tu t'es couché. Il te montait une pensée. Quelque chose vient dans ton cœur. Tu réfléchis sur quelque chose. Voici ce que tu réfléchis. Pensez-y là maintenant. C'est un être humain qui a parlé à un être humain. C'est qu'il a pensé. Sur ta couche au roi. Et il dit comme ça, c'est devant le roi. Donc, s'il ment là, les gars du coup le prend là pour. En tout cas, lui, là, il a eu l'espérance de. Plus tard, il va entrer dans les lions, il va voir. Sur ta couche au roi, il t'est monté des pensées, toucha ce qui sera. Après ce temps-ci. Donc, le roi, il a fait 41 ans de pouvoir. Et il était là comme ça, il regardait Babylone. Il regarde. Sinon, c'est le grand-père de Paul Biya. Il regarde comme ça là. Paul Biya seulement fait 42, on est ici, on se fâche. Il est resté comme ça. Il réfléchissait. Il a vu tout l'empire qu'il a bâti. Il a vu les grandes maisons, les trucs, comment vous appelez ça quoi, les jardins suspendus. Il voit Babylone. Il voit la capitale, l'Irak là. Puis il regarde, il dit. Maintenant, comme j'ai construit ça, regarde, il fait la guerre jusqu'en Irak, là, jusqu'en Iran. Il regarde comme ça, là. Il dit, qu'est-ce qui va devenir après moi? Juste une question. Après moi, comment le royaume va se comporter? Dieu a répondu sa question. Répondu pourquoi le royaume est là. Qui a créé ça? Ce qui va en devenir, les gens qui vont venir après lui. Tout ça, juste une pensée. On y va? Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Donc, la suite que nous allons lire maintenant, c'est la Bible. 1. Pour prouver la véracité, Jésus, quand il venait, a parlé de Daniel. Il dit, lorsque vous verrez l'abomination établie en lieu saint, dont on parlait de prophète Daniel, que celui qui lise fasse attention. Jésus a dit ça. Donc, Daniel a parlé de l'abomination placée à quelque part.
Et il a dit que quand le moment où vous allez voir ça arriver, que celui qui lise fasse attention. C'est une parole du prophète. Que celui qui lise fasse attention. Très bien. Et l'abomination est là depuis. Pas vrai? Ouais. C'est placé là-bas depuis. Donc on va lire en faisant attends. Regarde, quelqu'un dit à quelle époque on vit. À quelle époque on vit? Dis maman Marguerite, est-ce que tu sais où on vit? Très bien. Maintenant, verset 30. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tout le vivant. Vous voyez, on appelle ça en spirituel l'humilité. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Donc, c'est la réponse à tes questionnements. Oh roi, tu regardais, donc ça c'est la vision maintenant, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi. Son aspect était terrible. Vous voyez, c'est pour ça que quand vous êtes des prophètes, quand vous voyez des prophètes, quelqu'un peut raconter son songe, vous êtes dans son songe. Dès qu'il a commencé, vous vous tenez là-dedans. Devant vous, vous dites à quelqu'un que non, tu as oublié qu'il y avait le saut du côté bleu. Il dit, mais comment tu sais ça? Voilà, dès qu'il commence, il ouvre la dimension, vous entrez. Vous positionnez seulement dans ses yeux. Vous voyez le songe avec lui. Il contrôle. Souvent, les gens se mettent devant moi, ils sont de raconter le songe. Le Saint-Esprit dit qu'il a oublié tes choses, il regarde. Il a de cacher une chose. Quelqu'un vient me raconter un songe, il cache quelque chose qui le concerne. Il dit, tu n'as pas tout raconté. Il dit, oui, il y a quelque chose, telle chose. Il dit, ok, mais je dis une fois. Parce que dès que tu ouvres le songe, c'est une dimension. Dès que tu commences à parler, ton esprit s'ouvre, on peut entrer. Donc, quand on va parler du calme, quand il va enseigner ces jours sur le calme, je vais enseigner pourquoi. Souvent, quand on a interrogé Jésus, lui-même, il est resté calme, il ne parlait pas. On y va? Il dit que sa splendeur était terrible. La tête, maintenant, on va commencer à donner la description. La tête de cette statue était d'or pur. Donc, il a donné la description. Il va donner la description depuis le haut jusqu'en bas. Très bien, on y va? La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. On y va? Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, dans le bronze. Donc, vous voyez, même vous voyez, quand vous voyez la description de la statuette, regardez. Ses jambes de fer, jambes de fer. Si vous ne connaissez pas la jambe, les ventres, les jambes et pieds, demandez à Josué et Madeleine là-bas. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Donc, on est arrivé jusqu'au niveau de ses pieds. Donc, on commence. La tête, c'est quoi? Or. Or pur. Pas n'importe quoi, or pur. La poitrine et les bras en quoi? Argent. Le ventre et les cuisses en quoi? Bronze. En bronze. Les pieds en quoi? Fer. En fer. Ses pieds en partie? Les fer en partie d'argile. Quand vous faites physique ou bien la chimie, vous remarquez que la masse volumique, on a commencé par les plus grands. Donc, vous remarquez que c'est le plus précieux. On a des descentes jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de la terre. La masse volumique de l'or supérieure. Donc, vous voyez très bien que de gloire en gloire, la gloire est diminuée. On quitte du plus précieux au moins précieux, jusqu'en bas. Vous avez vu cela? Donc, c'est bien positionné. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare ici, lis dans l'autre verset là. You watched while a stone was cut out. Très bien, stop. Très bien, c'est bon, tu es quand même là. Et écoutez bien, tu regardais, le verset 34, tu regardais, donc pendant qu'il en observait cette grandeur, cette gigantesque statuette, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours, c'est le point là, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds des fer et d'argile de la statuette et les mit en pièces. Pensez-y maintenant. Donc, il faut qu'on. Ça, c'est la vision. Il a décrit la révision. Maintenant, on va lire ensemble l'interprétation pour que personne ne donne son interprétation. Donc, il va donner la vision. Il donne le rêve. Il donne l'interprétation. Et puis, vous et nous, ensemble, on va respirer. D'accord? On respire. Très bien. Donc, on a dit une pierre sortie sans le secours d'un homme. Donc, une pierre sortie nulle part. Ça s'est cassé. Donc, imaginez ça. S'il n'y a pas de prophète pour interpréter le son, tu vas beau faire comment pour savoir que c'est avoir avant le temps? Et pour remarquer qu'il dit qu'il a juste posé la question, qu'est-ce qui est arrivé là ce temps-ci? Dieu montre plutôt la statue. Il ne dit pas que après ce temps-ci, il y aura telle chose, après il y aura telle chose. Il donne un truc, il y a le résumé sur ça. C'est en lisant, en regardant ce que la statue est, qu'on a l'interprétation. Donc, la tête en or veut dire ceci. Donc, dans notre école là-bas, c'est comme ça on enseigne dans ces royaumes. On enseigne avec les symboles. Jérémie,
Tourne-toi du côté de Septentrion. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une chaudière. Ah, tu as bien vu. Donc, quand tu as regardé, tu as vu la chaudière. Oui, c'est vraiment comme c'est au nord là. Donc, la chaudière, ça chauffe. C'est que la calamité vient du nord. Tu vois ça? Il pouvait dire, Jérémie, la calamité vient du nord. Mais il dit, qu'est-ce que tu vois? Regarde. Il dit, regarde. Tu as regardé, tu as vu? Il dit, oui. Je vois une chaudière là-bas. Je vois, c'est positionné. Qui a réchauffé l'eau là-bas? Non, c'est pas l'eau qui a réchauffé. Comme tu as bien vu, là, tu as bien vu. Hein? C'est le roi du nord qui va attaquer Israël. C'est Israël. Et il sera en contradiction toujours avec le roi du nord. Donc, c'est la Russie qui va attaquer Israël. Donc, c'est écrit. Suivez le roi du nord. C'est le nord. Non. J'arrive. Vous comprenez? Les gens sont sur la terre. Et vous avez entendu, j'ai dit quelque part que les gens, les disciples du Seigneur Jésus sur la terre, servent Satan dans son royaume sans être coupables. Si. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi ils sont dit. Petit à petit, on monte. Donc, la Bible déclare que cette pierre-là, sans secours, a frappé, pas vrai? Très bien. Maintenant, écoutons maintenant l'interprétation. Il dit verset 36. Non, la pierre va devenir quelque chose. Il faut qu'il lise là. Alors, le verset 35. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or, depuis le bas jusqu'en haut, là, encore, n'est-ce pas? Fut brisé ensemble et devint comme une balle qui s'échappe d'une aire en été. Et le vent les emporte. Quand on fait, pour ceux qui font la culture, quand on tape, on soulève comme ça, là, le vent amène la partie qui est émiettée. À l'été, le vent les emporte. Et nulle trace n'en fut retrouvée. On continue. Mais la pierre, écoutez ça. La pierre qui avait frappé la statue devint si grande, devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà ce qu'il a vu dans le songe. Donc, quand le caillou est venu, c'est tombé là-bas. Après, ça a développé, rempli toute la terre. Maintenant, si on te dit à un être humain que ça veut dire quoi? Chaque personne va partir. Maintenant, la voici la chose. Voilà le songe, nous en donnerons l'interprétation. Verset 37. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer, Dieu t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête du roi, la tête d'or. C'est toi qui es la tête d'or. Donc, comment tu peux dire à nos connaissances que toi qui es là, comme tu vois là-bas, c'était toi. Il est fait un nom. Donc, ça dit qu'il y a des symbolismes. On commence à comprendre maintenant que c'est bon, c'est trop bon à moi. On continue. Après toi, souvenons-nous, c'était la tête en or. Puis on a dit descendre. Donc, ça dit que quand l'or finit, ça dit que le règne de Babylone était terminé. Après toi, ici, la poitrine et les bras étaient en quoi? Argent. En argent. Donc, ça dit qu'ils vont briller. Mais ça n'a pas le même prix que cela. Et depuis la chute de Babylone, il n'y a aucun royaume sur la terre qui a été comme le. La gloire a toujours baissé. Regardez bien. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre. Tu vois, c'est pour ça qu'on a quitté de l'or à l'argent. Moindre que le tien. Puis un troisième royaume. Nous nous trouvons maintenant où? Au fer, dans le vent. Écoutons bien cela. Troisième royaume qui sera d'un rein et qui dominera sur toute la terre. On y va. Il y aura un quatrième royaume. Fort comme du fer. Vous y êtes? Donc, il y a quatre époques des royaumes sur la terre. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout. Comme le fer qui met en tout en pièces. D'accord? Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume, le quatrième. Le quatrième royaume sera divisé. Je vais m'arrêter d'abord là-bas sur le verset 41. On va voir, donc, on regarde dans l'histoire. Ça, c'est clair qu'il y avait eu un nom. Si on sort de la Bible, on part dans l'histoire. Il y a eu Nebuchadnezzar, roi de Babylone, là où Saddam Hussein était. C'est lui qui gouvernait sur toute la terre. Après sa chute, on dit la poitrine était d'argent. Et la poitrine était d'argent avec le bras. Parce qu'en fin de compte, quand il y a la poitrine, c'est le cœur. Et puis il y a deux bras. Effectivement, après lui, le royaume va se diviser en mètres et en pèses. Exactement comme il y avait deux bras. Donc,
C'est pour ça que vous allez voir donc dans la suite de Daniel, on va dire que on va dire Darius le maître, Cyrus le Perse. Donc à un moment donné, le royaume était divisé soit par un Perse, soit par un roi. Et si vous lisez le chapitre 5, permettez-moi de rapidement au chapitre 5, le même nuit quand le royaume de Constantin va passer. Alors son fils va prendre les trucs des ustensiles, va boire avec les prostituées. Et un roi va sortir là-bas, compter, peser et diviser. Que tu as été compté, pesé, tu as divisé, tu as trouvé léger. Ainsi, le roi est divisé au-dessus de toi. Donc, quand il dit après toi, ça c'est sur Nabonide que ça a chamboulé. Belshazzar. Donc, le roi de Nebuchadnezzar finit par Nabonide. Ça commence à couper. Chapitre 5 dit ceci. Voilà. Voici verset 25. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de la main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces trois mots. Donc on écrit seulement trois mots, personne ne peut lire. Et même si tu lis, tu ne comprends pas, c'est-à-dire compter, peser. Donc quelqu'un sort depuis le ciel, c'est même venu compter, peser, diviser, c'est quoi ça? Hein? Voici l'explication. Compter, voici ce qu'elle veut dire. Voici ce que compter veut dire. Dieu a compté ton rein et il y a mis fin. Voilà, compté. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Ça, c'est pour le Gabon, ça. C'est ça même. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. C'est mon chapitre 5. Là, nous sommes ici dans le chapitre 2. Il est presque à la fin de son règne. Ici, nous sommes entre 607 et 3, 539 dans le règne de Belshazzar. Tu vois ça, frère? Donc, il y a eu des rois qui sont passés après. Au moins 5 rois sont passés après que Nebuchadnezzar a vu le rêve. Le roi a continué son cours comme s'il n'y avait rien été. Jusqu'à ce qu'un marchand soit venu tomber sur ça. Il a pris le truc pour boire. Que, allez nous prendre le truc du temple des juifs là, pour qu'on boive l'eau. Quand on va verser le vin dedans, ça sera un autre goût. Il ne savait pas que c'est un marchand qui l'a amené. Il a pu vouloir bien avec les prostituées. Pour ces prostituées avec ça. Le bout de la main du Seigneur est sorti là-bas, compter. Quand il est venu sur la terre, pendant qu'on fait la même chose avec les prostituées, il a encore écrit au sol avec le même doigt. Avant, quand on faisait le veau d'or, il a écrit sur le caillou. 3 fois avec le même doigt. On y va. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux maîtres et aux Perses. Regardez bien, pour montrer que c'est irrévocable, il finit de donner comme ça, ton royaume sera divisé. Il dit, aussitôt Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit un collier d'or au cou et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Le gouvernement là, comme il a dit le soir là, c'est le même soir que le gouvernement est tombé. Vous entendez ça? On dit, cette même nuit, nous sommes au verset 30 du chapitre 5, cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume. Étant âgé de 72 ans. Voilà le royaume de Nebuchadnezzar qui finit. Donc nous allons passer maintenant à la prochaine. Oui. Très bien. Alors, l'histoire raconte, qu'on va, si on entre dans l'audition, on entre dans le chapitre 6, 7 particulièrement, et 11, par rapport à Alexandre le Grand, que tout le monde connaît. L'histoire raconte qu'après eux, va venir un homme maintenant perspicace. Donc, en lisant le chapitre 7 là-bas, par rapport à tout le truc, on va y aller. Lorsque l'empire grec va venir en scène, Alexandre le Grand. C'est pour ça que quand Jésus vient, c'est l'Empire, c'est le grec qu'on parle. Comme vous voyez que le Nouveau Testament est écrit en grec, c'est le grec qui domine. Donc il y avait les Chaldéens qui étaient là. Après les Mèdes et les Perses. Perses, c'est l'Iran que vous voyez là. Perses, c'est l'Iran. Les Perses vont venir. Et puis après eux, nous sommes au deuxième là. Va venir maintenant le fer. Alexandre le Grand. Il broyait tout. 33 ans, il tuait tout le monde. Vous pouvez aller dans les Bibles, vous pouvez voir l'histoire de la Bible et l'histoire écrite. Eux, ils partent écrit pour eux. Daniel lui avait écrit. Daniel a dit ce qui va arriver, ça arrive. Il dit qu'il part, ça arrive exactement cela. Là, n'est pas le problème. Après l'Empire grec, va venir l'Empire romain. Le quantième. Quatrième. Donc nous sommes dans le quatrième royaume. C'est là où le danger arrive. Parce qu'on a dit que il n'y a que 4 royaumes. 4 temps dispensés. Et on dit que c'est du temps du quatrième royaume. Que le Dieu des cieux, j'ai pas connu l'intervention, j'en ai parlé même. Disons ici là. On est encore dans le quatrième. Donc j'étais en train de l'expliquer donc. J'expliquais que les deux bras étaient les mains et les pères qui étaient en agent. Il est, va pisser vite, tu viens vite. Viens, le temps qu'on parle des autres choses ici. Magnifique Jésus. On chante encore, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là.
Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Oui, as-tu dit quoi? Oh, Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Amen. Pour t'écouter. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Mais on dirait que c'est vous de l'Europe qui venez chaque fois déclencher les choses ici au Cameroun avant de vous partir. Et les autres, les autres profitent. Ça veut dire qu'on est spécial. Il y a des gens qui allument le feu, des autres qui préparent sur le feu. C'est ça. Très bien. Alors, en réalité, dans Daniel 6, c'est un verset qu'il voulait qu'on lise. C'est un seul verset, mais pour mettre tout le monde sur le même diapason, c'est pour ça que j'ai dû faire toutes ces gymnastiques-ci. Je devais aller juste sur le verset. On lit le verset dans le verset anglais, en anglais, pour qu'on comprenne de quoi il est question. D'accord. On y va. Okay. Parce qu'en fin de compte, je voulais établir ce qu'il est dit dans ces royaumes-ci. Le garçon-là, il a du mal à te recruter pour un peu d'arriver là. Il est en train de te cacher, tu tends le cou, c'est comme l'éléphant comme ça, là, tu me dis. Bon. Oh, il dit que pardon, tu es en train de me cacher. On y va, mon frère. Tu bois quoi comme ça? Non. Oh, ok. Tout le monde est venu. Non, elle a dit qu'il ne sait pas, il a dit que dans un royaume, c'est chacun se sait. Désolé, maman. On peut continuer. Voilà, maman Hélène qui a déclenché, je suis l'année de partie. Non, après, il va aller en France, il va dire que oh, on n'a pas écouté ce Bamba Iba. Bamba Iba. On y va? Oui. Très bien. Donc, nous avons lu, j'ai brossé les quatre royaumes rapidement, mais je veux qu'on lise l'interprétation parce qu'il a dit, au moins, il a dit, premier royaume c'est toi, après toi, ça sera donné un royaume plus faible que toi. Et on est allé là-bas, on a vu clairement comment le royaume qui succède à cela, c'est les Mèdes et les Perses. On est d'accord? Pour montrer effectivement les deux bras qui étaient en fer. Maintenant, rentrons ici. On y va. Regardez verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume, écoutez bien, écoutez, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Maintenant, écoutez bien, verset 42. Et comme les doigts des pieds, donc les orteils, étaient en partie en fer, de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie faible, en partie fragile. Vous avez vu ça? Très bien, écoutez bien, écoutez très attentivement. C'est pour ça que c'est le royaume le plus dangereux. Maintenant, verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Parce que, écoutez, tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Donc même si tu prends une statue, là, tu fais, tu branches, tu mets le fer à l'intérieur. Si ça ne tombe pas, ça se sépare. Parce que l'argile n'est pas fait pour féoder avec le fer. Mais ça pourrait avoir des... Ok, maintenant, on va prendre sur la première dimension. Vous remarquez que pour que les États-Unis, pour que l'Ukraine ne soit frappée ici, derrière l'Ukraine se trouve une alliance. On appelle ça l'OTAN. Donc on touche l'OTAN, on touche la France. On touche la France, on touche l'Europe. On touche l'Europe, les États-Unis sont là. Vous remarquez? L'Iran ne peut pas frapper Israël parce qu'il frappe Israël. Les États-Unis sont là. Donc on dit que le quatrième royaume va fonctionner en alliance. Tu touches mes intérêts. Si une guerre déclenche vraiment dans un pays, c'est toute la guerre mondiale. C'est pour ça que la troisième guerre mondiale est dangereuse. La Bible déclare que quand il y aura la vraie troisième guerre mondiale, c'est la guerre atomique. Et la première bombe va tuer le tiers de la population de la Terre. C'est dans la Bible que c'est écrit. Ça veut dire que ça va brûler les gens. Donc il y aura des parties des cartes, des zones du monde qui vont disparaître. Et quand on connaît la durée d'un atome de vie, peut-être de l'uranium, peut-être c'est 7000 ans. Ça veut dire que pour que une plante pousse, il va falloir 7000 ans encore. 7000 ans qu'on n'aura pas. Vous imaginez cela? Parce qu'en fin de compte, c'est pour ça que j'aime notre président. Il a fait le temps que les Chinois ont leur intérêt ici. Les Japonais ont leur intérêt. Les Russes ont leur intérêt. Les Américains ont leur intérêt. Les Coréens ont leurs intérêts. Donc si un endroit où ça va se gâter, c'est vraiment au Cameroun. Parce que si le français veut frapper l'Amérique, il y a mon intérêt, il va faire attention.
S'il veut gratter l'Israël, il dit qu'il y a mon intérêt. Oui. Mais si tu es dans un endroit comme la Corée du Nord, où ton seul intérêt qui est là-bas, c'est la Russie, on frappe sans envergure. Donc les gens peuvent faire des alliances pour aller voter et frapper là-bas. Vous comprenez cela? Comme Kadhafi, pour être tué, a fait une alliance. Et c'est cette alliance, à cause de cette alliance, que Dieu a frappé le monde, parce qu'ils vont faire l'alliance pour aller voter pour frapper Israël. On y va? Bon, donc, le verset 43 nous dit que ce n'est pas des alliances humaines. Vous voulez voir quelque chose? Maintenant, il veut qu'elle lise dans la version anglophone pour que vous compreniez ce qu'on dit. Regardez, j'ai dit encore le verset 43. Il disait que c'est là où je voulais aller. Mais je suis obligé de lire ça en anglais pour que vous compreniez. Donc, c'est la profondeur du verset. Regardez. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Ah, mon Dieu. Parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Vous y êtes maintenant. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux, dans le temps de ces rois, quand on est sur la terre, on est mal barré. On est dans une époque où à tout moment ça peut arriver. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous une domination, sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre dont tu as vu. Non, notre royaume à nous arrive. Amen. Vous avez vu cela? Mais ceci sera détruit. Le modèle de royaume qui sera sur la terre ne sera pas comme ceci. Donc c'est un royaume satanique qui est sur la terre. Donc maintenant, ça veut dire que si tu travailles dans la fonction publique, tu travailles dans la fonction publique satanique. Donc tu as le matricule des satanistes. Tu travailles à l'école pour former les gens dans le satanisme, dans l'école. Donc tu comprends que tu peux. Vous servez Satan dans son royaume sans être coupable. Vous êtes premier ministre chrétien, un premier ministre sous le trône de Nebuchadnezzar. On est comme les espions. Nous, les espions. Ah bon, hein? Mais tu ne peux pas faire. Parce que tu restes dans ton royaume sans travailler, tu es coupable devant le Seigneur. Donc tu oublies de travailler pour Satan en étant péché sans péché. Très bien. Maintenant, lisons le verset 43, version anglais. Écoutez très attentivement. 43. As you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle. They will mingle with the seed of men. Là maintenant, la version commence à voir à froid au dos. Comme tu as vu l'argile mélangée avec le clay, avec l'argile, ils vont mélanger avec la semence des hommes. Donc on parle ici maintenant cette fois-ci des croisements sexuels. Donc dans le dernier temps du royaume, il y aura le croisement. Exactement comme au temps de Noé, il y avait croisement. C'est là où je voulais en venir. C'est ce qui est écrit là-bas. Allons-y encore. As you saw the iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men. Et on va parler même du mariage là-bas. Continuons. But they will not adhere to one another. Another. Just as iron does not mix with clay. With clay. And in the days of these kings, the God of heaven, God of heavens, will set up a kingdom which shall never be destroyed. Shall never be destroyed. Donc mingle, mélanger la semence, dont en fait de quand il y a un croisement durant le temps du royaume, au point où on a sur la terre littéralement des êtres humains qui viennent de croisements sexuels d'autres natures. Pensez maintenant que l'Antichrist doit venir. L'Antichrist doit venir d'un père et d'une mère, mais des gens qui ont fait le croisement. Parce qu'il est là sur la terre, il est forcément né d'un être humain avec un croisement. Il faut que ce soit comme ça. Donc, et on dit c'est au temps du royaume de la fin. Nous sommes là. Alors donc, les pièces donc sont mises en place, exactement comme le Seigneur a dit, ce qui s'est passé du temps de Noé. Et du temps de... Donc ce n'est pas le mariage qui s'est passé, parce que toutes les époques ont les époques de mariage. Il y a le mariage dans toutes les époques, il y a des célébrations dans toutes les époques. Donc, ce n'est pas le mariage dont le Seigneur Jésus dénonçait dans le livre de Luc au chapitre 17 par rapport au temps de Noé. C'est le croisement. C'est la méchanceté des hommes. Vous voyez clairement comment les hommes sont méchants sur la terre maintenant. Méchants sur la terre. Sans scrupule. Pour rien contre eux. Vous imaginez quelqu'un qui tue sa maman. Quelqu'un tue l'être humain, coupe le sein, coupe le truc, met dans le truc. On les arrête dans la valise. En train de tuer un être humain, avant dans la bouche. Brousse. D'autres pas tuer son maman, d'autres couchent avec la maman. Tue la maman, découpe, prend les intestins pour aller faire des choses avec. Et la Bible déclare que les hommes vont tuer, les parents seront, les enfants seront rebelles, les parents tueront, livreront leurs parents. C'est là, voilà la caractéristique du dernier jour. Alors regarde, quelqu'un maintenant dit, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Mais ça ne nous concerne pas. Mais ça ne nous concerne pas. C'est leur fin.
c'est la fin. Et le début de nous. Et le début de nous. De la, du commencement de l'éternité. Du commencement de l'éternité. Très bien. Amen. Amen. Oh Seigneur. Waouh. C'est toi qui as demandé qu'il y ait encore quelque chose et il s'est venu. Mmh. Wow. Amen. Alors quand tu vas partir, la puissance de Dieu va commencer à se manifester maintenant par des dons. Des manifestations de dons. Des jeunes prophètes, des jeunes personnes que Dieu, que les gens ne connaissaient pas, Saint-Esprit va commencer à les utiliser. Pas seulement ici, mais ailleurs. Les dons spirituels vont commencer à se perfectionner en eux. Pour le rendre fils à l'image du Seigneur Jésus. Amen. Et le paroxysme, ce sera quand le discernement des pensées des uns et des autres sera là. Ils vont se rendre juste... Quelqu'un, écoutez bien, ça va faire comme le bave. Si vous imaginez que vous restez comme ça, comme Samuel était resté, alors qu'il est couché à côté de lui, il entend une voix, l'autre n'entend pas. Tu entends juste... Ha, vous imaginez que, regardez, on est combien aussi. Regarde, souvent nous sommes 10, 20. Et puis tu en entends chez toi les voix de chaque personne, au même moment. Tu entends ceci dit que le couturier a même cousu mon habit là. Ceci dit que mon billet avait une voix, en même temps. Marguerite dit qu'il est tard, il faut que je rentre à la maison. Ceci dit que... C'est vrai que ma femme ne doit pas me parler de toi. Les films, les femmes qui lisaient les pensées, et puis les hommes, et puis les autres personnes, ils ont fait des films déjà en ligne. Ça a commencé. Faut pas avoir les pensées. Alors, donc, imagine donc que ces pensées-là, tu as même de les entendre. Tu vas commencer à regarder les gens comme ça. Tu vois, chaque fois, tu vois, quelqu'un entend, tu entends, quelqu'un marche comme ça, tu imagines, tu es dans une population comme souvent à New York, il y a beaucoup de gens. Tu entends la voix de tout le monde. Tu entends l'autre te plaindre que le pasteur, s'il veut le montrer, ça vient le tuer. Tu entends encore l'autre dire que l'enfant, s'il est dans le mouvement, je ne sais pas qui est son père, il va aller mentir que c'est l'autre. Tu tournes le regard comme ça là. Tu vois l'autre dire que le poison, si, il veut mettre ça dans le truc. Tu vas sauver qui laisse qui. Discernement de pensée. Et là, maintenant, il va falloir maintenant t'amuser maintenant pour savoir qui tu vas discerner maintenant pour dire, toi, les pensées de ton cœur, tu vas aller tuer cet enfant, ne tue pas cet enfant, garde cet enfant, tu vas te bénir. Comment il sait qu'il veut aller tuer un enfant? Voilà un enfant que tu as sauvé. Tu vois cela? Le discernement de pensée arrive. La puissance. Puissance. Parce que quand ça sort avec la puissance, c'est la puissance de Saint-Esprit qui parle. Parce que la personne qui parle ne connaît rien. Quelqu'un d'autre, la nature divine se trouve en lui, enveloppant pour faire révéler Christ en lui. Ça, on a une question, la participation de la nature divine. Christ sera là, à l'intérieur de ses fils, pour parler, faire la même œuvre. Femme, fais-moi venir ton mari. Je n'ai point de mari. Tu as raison de dire que tu as eu un mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es. Dis-moi, comment tu sais? Ne serais-tu pas prophète? Je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Amen. À toi. Toute la gloire. À toi. Vous voyez, comme c'est déclaré maintenant, l'univers ne peut pas lutter contre ceci. Parce qu'au travers de l'église, les dominations doivent savoir que quelque chose ne se passe et ils ne peuvent rien faire contre cela. Parce que c'est le moment de la grande visitation. Amen. On va entendre. Vous allez rester ici, entendre dans une zone du ciel comment les gens sont en train de faire le complot sur la terre. Pour venir sur la terre. Tu dis que ainsi dit l'esprit, il y aura une attaque de grande envergure sur la terre. Lever la main dans cette direction de ce bombardon. Le quartier n'a beaucoup attiré sol là-bas. Donc ça sera chaud maintenant. Vous pouvez imaginer la puissance que Dieu a en réserve pour l'église. Et aujourd'hui, il dit cette grande chose. Que des grandes visitations, des discernements de la pensée poussées au point où on peut communiquer avec quelqu'un sans fil. Ici, il n'y a pas de réseau Camtel ou de SFR qui brouille. Non. Les ondes ne brouillent pas. Ça ne fait pas de signal. Tu ne dis pas qu'il n'est pas bien compris. Donc, on parle, tu entends bien et clairement. Que tu dormes ou que tu sois conscient. Tu entends. Magnifique, Jésus. Numéro de téléphone, juste comme ça. Où se trouve le frère Pat. Vroom, tu es là. Il dit oui, je t'écoute, frère Junior. Ha! Magnifique. Super. Imaginez ma femme me dit, Lilia est de quel côté du marché? Elle est même sortie. Elle dit, maman, je sais où marcher, je suis au rayon des oignons. Et là, on ne parlait pas avec la bouche. Juste comme ça. C'est avec exactitude, je le connais avec exactitude.
Parce que ceci a été conçu pour nous asservir, pour, mm. pour nous couper d'abord du Seigneur, mm. nous distraire et nous mettre en permanence. Parce que quand vous allez n'importe où, si vous voyez avec votre téléphone, mm. chaque fin de mois, par exemple, Google va vous envoyer le récapitulatif de vos itinéraires. C'est ça même. Donc, il te dit que tel jour, tu étais à tel restaurant, tu étais à tel endroit, tu étais à tel endroit. Mm. Ça, c'est l'ordinateur qui a le fait là-bas. Donc, ça veut dire que l'antique peut te suivre n'importe où tu te trouves. Mm. Maintenant, si tu n'as pas ça, mm. il dit que, ouais, où est-ce que les frères se rassemblent? Le Saint-Esprit te transporte là. Mm. Vous êtes rassemblés à tel endroit en train de prier. Notre réunion avec lui. Mm. Alors, quand le Seigneur va venir sur la terre avec nous, quand nous allons revenir régner ici, c'est comme ça. On n'aura pas besoin de l'avion pour aller. Mm. Souvenez-vous de cela. Mm. On n'a pas besoin de l'avion pour se déplacer. Si Dieu me met gouverneur. Comment, maman? On serait comme les la sorcellerie, il faisait les histoires là. Et c'est l'un des points que je voulais toucher ici par rapport à cela. Donc vous allez me permettre que je compte. J'arrête. Non, vas-y. J'arrête. Ah. C'est l'un des points que je voulais toucher, c'est concernant au panafricanisme. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont allés faire. Il y a un réveil, un mouvement de shift, un shift qui est arrivé où il y a ces soucieux que l'Afrique va se réveiller. Eux, ils ne savent même pas ce qu'ils sont allés faire. Mmh. Et maintenant, récemment, il y a l'organisation des BRICS. Vous les appelez les BRICS. Mmh, les BRICS. Brick ou bien les briques. Non, c'est ça, brick. Brick, c'est AS à la fin. Brick, c'est AS. Le brick. Ouais. Le brick, voilà. Quand il y a un brick pour construire la maison, quand c'est nombreux, on parle les briques. Mm. D'accord. Donc, les briques. Donc, tu peux mettre S pour dire bricks. Voilà. Donc, ils sont de fermer le brick, une autre alliance pour le bloc, pour faire France à l'OTAN. Mm. Donc, ce sera alliance après alliance. Là, voilà qu'ils sont de se former. Mm. Et ils se forment dans ces briques-ci. L'un des sommets, ce sera le roi du Nord. Le roi du Nord. Donc, il a été formé pour ça. Donc, l'alliance BRICS, OTAN, c'est la préparation pour la guerre d'Amageddon. De Gog et Magog. Uh-huh. La Bible déclare, dans Ézéchiel, chapitre 38 et suivant. Vous y êtes? Uh-huh. Vous entendez? La Bible déclare que le roi du Nord aura à sa suite. Donc, c'est pour ça qu'ils voient les Africains. Quand ils disent que non, on ne veut plus le français. On a dû vouloir prendre plutôt le russe. Ils ont pris Satan. Ils ont pris le petit frère de Satan. Ils ont fui cette blessure de Satan. Soit de prendre le grand Satan en personne. Lorsque les colons sont venus ici, ils n'ont pas fait seulement ce qui est mauvais. Oui, c'est vrai. Ils donnent de bonnes choses. Ce qui fait que c'est ça qui a accoutumé les gens. Ceux qui viennent maintenant, tu vois, ils ont vu comment les colons ont échoué. Ils veulent corriger là où ils ont échoué. Ils disent non, partenariat gagnant-gagnant. En réalité, ce n'est pas l'or, le minéral et tout ça qui est intéressant. Ce sont les âmes d'hommes. Alors, le but maintenant, c'est de faire alliance. Quand il faudra maintenant défendre les Russes, les gens vont envoyer l'armée pour lutter contre les Russes. Or, si tu es avec les Russes sont contre Israël. Si tu es avec les Russes, tu es contre Israël. Tu es contre Israël, contre Jésus. Donc, la Bible déclare que dans la suite des temps, il va se diriger vers le plus beau des pays. Avec à sa suite un peuple nombreux, y compris certains Africains qui vont se réveiller maintenant. Ils vont se trouver, ils vont trouver devant eux Jésus-Christ de Nazareth. Mmh. Donc, si ton pays en train de suivre le BRICS, ils sont en train de lutter contre Jésus. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Salut-vous donc les uns les autres. Dis, réveille-toi maintenant, tu n'es pas dans les BRICS. Très bien. Maintenant, chacun va me donner le résumé. Est-ce qu'il a compris? On commence par ma femme, de ma droite à ma gauche. Donc, tu as seulement écouté, tu n'as pas compris. Ok, dis-nous une petite chose que tu as compris. Tu as compris quoi ce soir, maman Guérie? Parce que tu as dit au mieux. J'ai compris que les gens vont se communiquer sans téléphone. Mm-hmm. Voilà. Tu vois que là-bas, tu n'as pas besoin d'acheter les crédits. Et peut-être qu'ils vont voyager sans avion, sans agent de transport. Oui. Que ce soit en voiture, en vélo, en moto ou par avion. On n'est pas plus là-bas. Là, maintenant, tu n'as pas besoin d'accident. Parce que quand tu vois, tu ne connais personne en route. C'est que moi, j'ai retenu. Mm-hmm. Tu aimerais ça, hein? Comme ça, tu quittes notre pas aller grader les pruniers au village ou bien les maïs. Ça va plus m'intéresser, puisque j'aurai tout sur place. Directement. Applaudissons pour C'est vrai. Donc, vous voyez, donc, en fin de compte, il y aura besoin d'évangéliser. Il y aura besoin d'évangéliser. Et l'évangélisation va déranger vraiment sur la terre parce qu'il y aura le puissant pour bousculer les ténèbres, briser les frontières. Il y aura la restriction sanitaire, la restriction de voyage. Par conséquent, on n'aura plus besoin de ces moyens pour voyager. Je dis qu'on ne fait pas comme ça. On dit que non, en France. La Bible nous a montré quelqu'un qui devait aller évangéliser. On a fait vop, il a disparu. Il est parti. Ça, c'est le Nouveau Testament, pas l'Ancien. La Bible nous a montré quelqu'un qu'on a attiré, on a mis en prison. L'église était fermée, il est sorti. C'est les prémices. Des prémices. Donc, si tu viens comme ça, tu dis, le Saint-Esprit dit que tu dois aller en Norvège prêcher. Il y a Norvège, tu es là.
Repentez-vous. Tu es entré ici. Comment? Tu sors de ce papier où? Je n'ai pas de papier, c'est le Seigneur qui m'a sauvé. Parce que tu vas devoir prouver. Parce qu'on te fout d'abord, le Seigneur te dit, il ne dit rien. Mm. On te fout, on te fait, on prend tes mains dans les grilles, tu disparais, tu pars. Mm. On dit mandat de recherche international contre monsieur-ci. Tu vas disparaître comment? Et le Seigneur, quand il est ressuscité, il a fait les temps qu'il était avec des gens, 500 personnes à la fois. Il était question, il était capable d'être à côté de quelqu'un, on ne sait pas que c'est lui. Dont les fils seront comme les pères. Amen. Magnifique. Mm. Donc, maman Marguerite a dit ce qu'elle a compris. Toi aussi, allons-y. As-tu retenu ce soir pour qu'il soit sûr? En tout cas, même si vous ne comprenez pas, ce n'est même pas pour vous-même. Vous allez entendre, comprendre. Mais quand c'est l'exercice, ça qui va commencer à comprendre, vous allez se dire, voici ce que le frère Junior parlait. Parce que c'est à la porte là maintenant. Les oracles. Mm. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Vous imaginez? Vous imaginez? Donc, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien, Dieu révélait au prophète que telle chose va dire au roi que telle chose se passe. Telle chose se passe. Maintenant, c'est en nous. Il le fait en toi. Donc, tu restes, tu sais exactement ce qui va arriver. Exactement ce qui va arriver. Tu connais la pensée de Christ, la pensée des hommes. Donc, Christ en toi te fait comprendre la pensée des hommes. Tu peux savoir exactement où telle personne se trouve. Pour les hommes infidèles, ce sera fini pour eux. C'est grave. Que Dieu nous vienne en aide. Alors, dis-nous ce que tu as compris, ma soeur. Ce que j'ai compris, c'est que le Seigneur réserve des dons spectaculaires qui arrivent. On pourra lire dans les cœurs. Oh. Les chrétiens pourront lire dans les cœurs. Mmh. Les croyants pourront lire dans les pensées des cœurs. Mmh. Et... Tout ce qui est dans les cœurs pourra être révélé au grand jour. Donc, plus de mensonges et tout mensonge sera puni. Il y aura des conséquences, quoi, des péchés de cœur, des pensées. Et j'ai compris que tout cela se sera manifesté dans le quatrième royaume dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, et c'est le quatrième et le dernier. Et c'est la fin des temps, quoi. Nous sommes en plein dans la fin des temps. Et tout est en voie de nous sommes en voie pour que le Seigneur vienne chercher son peuple qui rendra parfait. Vous imaginez que le Saint-Esprit va donner une convocation, juste une convocation au salat. Que les frères retrouvons-nous là-bas. Mmh. Prenez tel jour de jeûne. Mmh. Les gens vont rester là, subitement, ça va commencer à se manifester. Les gens qui vont dire que, ah non, le trop de jeûne, tout, subitement, quelque chose commence à se manifester. Ce sera le petit feu qui va dévorer toute la forêt. Mmh. C'est le mouvement. Heureux ceux qui vont participer à cela. Amen. Heureux ceux qui vont seront dans les prémices de ces choses-ci. Amen. Mmh. Amen. Ma femme, qu'est-ce que tu as suivi? Oh, maman Sarah, ça va. Les filles! Ça va? Comment vous allez les filles? Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Parle à l'homme dedans. Bon, Sarah ne parle pas. Allez, on va le frère. Merci. Dis-nous. C'était pour taquiner ma femme. C'est simplement merveilleux. Hein. Tout ce qui a été déballé depuis près de 2 heures et temps. Notamment les différents royaumes que le Seigneur a présentés. Nebuchadnezzar et a révélé l'interprétation à son prophète Daniel par rapport aux quatre différents royaumes dans lesquels nous sommes présentement à la fin des temps, montrant les différentes alliances entre les peuples, entre les nations pour combattre véritablement Israël. On a vu que la calamité dont Jérémie a vu venant du nord, la Russie va être en tête pour chercher à éteindre Israël. Bon, sauf que... Ils vont faire des dégâts. Subitement, le Seigneur va paraître. Exactement. Et traiter. Exactement. Et certaines nations qui ont estimé que les colons nous ont détruits, voulant se rallier maintenant à cette Russie, estimant que c'est leur sauveur, ils sont contre la volonté du Seigneur, exact. Et ils vont rencontrer le Seigneur sur leur chemin, ouais. Et ils vont payer le prix
le prix fort par rapport à cela. Et on a vu qu'avec les différentes bombes atomiques qu'ils ont, que s'il arrive que ce soit bombardé, ça va prendre assez de temps pour que la Terre soit reconstituée. Donc, c'est là pour reconstituer, ça sera parti pour le feu. Voilà. La Bible déclare que le feu, quand la Bible dit dans 2 Pierre, que le feu, sachant que le monde à présent est voué au feu, est réservé pour le feu. C'est le feu de ça dont tu viens de parler. Ah, d'accord. De ça dont tu viens de parler. La bombe atomique vont se bombarder entre eux. Pour que d'abord, je vous donne le timing. Pour que les Russes vont attaquer Israël, première chose, ils vont frapper les États-Unis. Ils vont surprendre les États-Unis un de ces matins. Boum! Temps, avant qu'ils se réveillent de la poussière, ils vont directement en Israël. Les États-Unis vont très bien. Donc, quand vous voyez, vous voyez les Juifs, les blouses polaires, dans une vision, j'ai vu celui-ci sort de là maintenant. J'ai vu quelque chose qui est descendu du ciel comme ça, comme le corps humain avec la tête comme le crocodile. Il est sorti, posons le boum! J'étais juste devant là-bas. C'est comme s'il y avait lui seulement et moi. Je le voyais descendre du ciel. Et puis tomber là comme ça, comme il s'est positionné. Et regardez, la Terre a tourné devant moi comme ça, comme le globe. Rond là. Mais les continents n'étaient pas comme on voit là maintenant. C'est comme l'ancien continent en antique. Et j'ai vu là-bas, boum. Il s'est tourné comme ça. Vous voyez, si vous avez la boule, regardez là, l'Afrique est située. Ouais. Vous remontez plus haut vers l'Europe. Ouais. Vous voyez la partie là, tout là, ce n'était pas disjoint. C'était grand comme ça, vaste. Okay. Et puis il y avait la neige au-dessus. Blanc. Il s'est tenu comme ça sur ses pieds. Quand il s'est tenu, les yeux, lui, ses yeux et moi, j'étais ici en Afrique, en train de regarder comme ça. Oui. Il s'est positionné, soyez concentré ici. Il s'est positionné comme ça, regardez. Il a la boule devant vous. Voici l'Afrique ici en bas. Vous allez tout droit en haut vers le Maroc. Vous remarquez qu'en haut là-bas, le continent européen est là-bas, vaste. Oui. Il s'est tenu là-bas comme ça, colosse. Et il m'a regardé. Dès qu'il m'a regardé comme ça, il a regardé à ma gauche. Oui. Il s'est incliné. Il m'a regardé à ma gauche, donc à sa droite. Il a fait comme ça. Tu as vu comment il a fait ça? Donc, si tu es comme tu es devant moi, si tu es en haut, regarde, tu me regardes, regarde à ta droite, donc à ma gauche. Quand il a regardé, il est tourné, il a regardé, j'ai vu les États-Unis. Le Saint-Esprit dit, dès qu'il a fait ça, le Saint-Esprit dit que l'ours polaire est positionné. Donc bientôt la Terre va avoir lieu. Je crois que j'ai mis ça, c'est sûr. Il parle, il voit la même vision maintenant. La tête tournée autour de moi, je me suis tenu sur le globe. Il s'est tourné, je l'ai vu descendre. C'est-à-dire que l'esprit qui va animer le roi, c'est pas celui-ci, c'est pas le monsieur qui va faire passer. Celui qui vient est plus dangereux que lui. Celui-ci est un enfant du cœur. Celui-là est là-bas, il est en train de voir comment il est en train d'agir. Donc, celui qui va venir après celui-ci, c'est la magie seulement. L'ours polaire, le Saint-Esprit dit, quand il m'a juste regardé comme ça, pour m'assurer que j'ai vu. Quand je l'ai vu, il s'est fait comme ça, il a fait comme ça, à sa droite, donc à ma gauche ici. Là, comme ça, incliné. Il m'a regardé comme ça, à gauche, incliné. Dès qu'il a fait, ça a zoomé devant ma vision comme ça, il a vu les États-Unis. Le Saint-Esprit, dès qu'il a vu, le Saint-Esprit dit, l'ours polaire, voilà comment il l'a appelé. L'ours polaire est positionné. Et si vous regardez bien le drapeau de la Russie, le symbole du drapeau de la Russie, ça va être amusant. C'est le marteau et la fossile. Ce marteau et la fossile, vous regardez le drapeau, vous allez voir quelque part là-bas. La fossile, c'est comme on peut trancher. C'est le marteau de Dieu pour pouvoir traiter la terre. Dieu qui va l'utiliser. L'enclume, le marteau. Vous remarquez le marteau comme ça, le fossile comme ça. Vous me regardez comme ça, on n'a jamais vu. Là, il a vu. Et vous croyez que c'est juste un symbole? C'est le communisme. Le communisme n'a rien à voir. Donc c'est l'ours polaire. Vous remarquez quand il passe entre lui, il passe entre lui sur l'ours. C'est l'ours. Parce que dans la Bible, on l'appelle l'ours. Cette tenue là devant moi. Daniel l'a vu sortir comme ça, là. Il s'est mis sur ses pieds. Dès la prochaine fois qu'il est sorti, il avait la tête comme ça là. Il l'a vu, il m'a regardé. Droit dans les yeux quand tu me regardes moi. Après la femme, il ne m'a pas parlé. Hein. Le Saint-Esprit dit, dès qu'il a fait ça. J'ai vu États-Unis, le continent, et puis Dieu te dit, l'ours polaire est positionné. On est à la fin, je vous le dis. Donc un matin, vous entendez boum, la télévision. Il dit que les États-Unis ont été attaqués maintenant, surpris ce matin-ci. La ville de New York et de Los Angeles est sous l'eau, totalement. La bombe a raclé New York. Sachez qu'on est à la fin. Nous disons aujourd'hui ce matin qu'il y a un pays qui a espionné les États-Unis pendant près de 12 jours ou 2 heures. Ils ne savent pas. Ils se rendent compte. Ils ont été détectés aujourd'hui. Ils ont été espionnés pendant près de 12 jours ou 12 heures. Une partie des États-Unis qui ne s'en rendent compte. Après, ils frappent comme ça. Tu entends le Vatican. Le Vatican, quand tu vois là, le palais de Saint-Pierre va être rasé. Il y a des prêtres à l'intérieur qui sont les démons venant des chefs communistes. Ils sont là avec les armes nucléaires, là-bas ou en plein Vatican. À l'heure, le jour, la minute destinée par le Seigneur dans les Saintes Écritures pour déclencher. Quand ça va faire boum, Babylone, elle est tombée en une heure.
temps de luxe comme ça est parti. L'apocalypse. Donc, pour finir, on disait donc que ce qui arrivait du temps de Lot et de Noé arrivera encore. Et on a constaté que c'est le moment de discernement. Par rapport à ça, il y a tant de distractions à cause de ces téléphones qui sont symbolisés, matérialisés par ce qu'on appelle le veau d'or de nos jours. Et il est temps donc d'être focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ. En résumé, c'est ce que je peux dire. Des oracles. Qui, Madeleine, tu étais même là. Tu es sûr? Elle est sûre, tu es sûre. Très bien. Madeleine, parle alors. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que on ne va plus parler avec les téléphones. On ne va plus. On n'aurait plus besoin du crédit, de la connexion, même pour payer. Tu imagines que tu connais ça. Et que tu parles, par exemple, que ton professeur veut composer une épreuve de mathématiques. Pendant que l'un est écrit comme ça, tu connais exactement la réponse, tout ça. Ça, c'est génial. Tu sais que c'est fort. Ouais, ça... Tous les prix, maintenant, les croyants vont gagner. Ouais, n'importe quoi, on trouve. Tu auras 20 sur 20 tout le temps. J'ai déjà eu ça à classe 6. Qu'est-ce qui s'était passé? Le maire était en train d'écrire au tableau. Et puis, j'ai posé trois questions. C'est qui devait écrire au tableau, j'ai dit la réponse. Il a dit, how do you know it? Donc, tu as dit ça comme ça, les choses qu'il devait écrire. Là, il a les prémices même déjà. Allons-y, monsieur. Il va parler fort. Tu es sûr qu'il va parler fort? Il va parler fort. On va voir. On va voir si tu dis vrai. On a parlé de... Ce que moi, j'ai retenu, c'est que... Il parle fort. On n'aura plus besoin du téléphone. Et que le Seigneur va se manifester au niveau du discernement des pensées. On a lu les Écritures. On a vu que... Le Seigneur a dit que ce qui se passait du temps de l'autre, enfin, et de Noé, c'est ce qui va se passer de ce temps-ci. Et on a vu que ce qui se passait par rapport au temps de l'autre, on a vu, enfin, par rapport au temps de Noé, on a vu que Enoch avait été enlevé avant que Noé ne fût enlevé. Et qu'il ne faut pas forcément se réjouir parce que on dit le temps de Noé parce que Enoch a été enlevé avant en fait. Et que genre. Et notre, c'est l'élément type de l'église. Il y a Abraham aussi qui était avec Lot. On a vu que Abraham avait reçu le Seigneur. Pendant ce temps-là, il y avait Sarah qui était derrière la tente, qui avait souri. Et que le Seigneur a discerné les pensées pendant qu'il était en train de parler avec, discuter avec Abraham. Derrière, il y avait Sarah qui faisait son action et Dieu était là. Tout ça, c'était pas, enfin, pour faire le tour, pour montrer que nous sommes dans un temps où nous sommes en train d'aller au niveau du discernement des pensées. Et on a vu, on est parti dans l'île de Daniel pour voir l'avènement de cette pierre-là qui est venue de nulle part pour détruire la statue. On a une heure de résumé là-bas, d'accord. On patiente. Il fait ses une heure de résumé. Moi, Marguerite dit qu'il est pressé. Il faut réduire. Il dit qu'on a lu le verset et puis il y avait la virgule dans le verset. Du... On a fait une apostrophe pour aller dans. Tu dis vraiment une chose que tu as retenu, c'est beaucoup. Paul était aussi la lumière du monde. Parce que tout le monde l'a déjà dit. Okay. Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette soirée? Ce qui m'a marqué, c'est au niveau du fait que le nom de Jésus, on ne le porte pas forcément, on ne le dit pas forcément, mais même dans nos rêves, parfois, il y a des choses qu'on fait, mais inconsciemment, mais ça peut être une action, mais c'est ce nom de Jésus qui agit au travers de ça. Très bien, très bien, très bien résumé. C'est pour cela que tu, dans cette dimension, vous souvenez seulement que quelque chose s'est passé quand vous avez pensé au nom de Jésus. Ici, c'est le raisonnement qui mixe avec nos pensées. C'est pour ça qu'on a du mal à prononcer ici en étant avec efficacité. Parce qu'il y a la séquence des larves, des doutes qui imbibent dans nos pensées. Là-bas, il n'y a pas nos pensées dans cette dimension. Il y a notre esprit. Là, ton esprit imbibé du Saint-Esprit. Mais il y a l'interaction avec ta pensée. Quand tu es dans cette dimension, il n'y a pas ta pensée. C'est pour ça que ça travaille librement. Quel est le point? Il faut que l'humanité soit englobée par la divinité. Si l'humanité est englobée par la divinité, on marche avec, en exprimant la nature de Christ, la nature divine. Quoi d'autre?
C'est tout. Bon, oui. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y aura une manifestation des dons à notre époque parce que Jésus est la tête et il va recouvrir l'humanité de sa divinité. Donc, on pourra. Ça va brouiller les pistes pour les agents des ténèbres qui ne vont plus nous surveiller, en fait. Quel sera ton avantage dans cela? Tu as utilisé pour faire quoi particulièrement? Quand tu vois là, quelles sont tes perspectives? Parler aux gens à travers le monde. Tu vas parler comment? Tes copines? Que copines tu es? Souvenez-vous de ceci. Les croyants entre eux qui ont ce don là pourront communiquer entre eux. Mais pas avec. Tu pourras entendre ce que les mondains disent, mais ils ne pourront pas t'entendre. D'accord. Comme la communication, si je parle avec ses frères, si ceux qui ont, si ceux qui utilisent les réseaux, qui ont les appareils quelque part, ils peuvent fixer, écouter nos communications, du coup nous ont mis sur écoute. Donc je pourrais parler avec lui et lui sans que personne dans l'univers ne puisse intercepter. Tu comprends? C'est ça dont il est question. Donc, je suis en cause à ma femme. Personne ne peut intercepter ça. Mais pourtant, je prends mon téléphone, je lui parle, on peut intercepter notre conversation. Parce qu'ils ont mis des dispositifs pour pouvoir écouter notre truc à notre insu. C'est pour ça que Dieu donne cette arme secrète aux croyants. D'accord? Pour que même si on nous dispose, on peut savoir où on se retrouve. Tu vois ça? Pourtant, avec ceci, ils vont nous suivre. Exact. Et on aura le pouvoir de choisir à qui on veut. C'est ça, c'est pour ça qu'on parle des divinités. Mais le problème, c'est que si tu ne peux pas parler avec ta copine si elle n'a pas. Si elle n'a pas ce don, là, c'est un don. Mais tu peux entendre ce qu'elle a dit. Elle dit par exemple que la fille, si tout ce qu'elle fait est réussi, quand elle va sortir pour aller pisser, elle va mettre le poison dans, son jus. Tu as entendu? Mais tu ne sais pas qu'elle n'a pas. Quand tu reviens, il dit bois. Tu dis bois toi-même. Tu renverses. Ou bien tu renverses le fait. Oui, tu veux du bois. Je me dis, mais comment elle fait pour savoir? Tu vois que tu as suivi ce qu'elle a dit dans ses pensées, mais tu ne lui as pas dit que tu as suivi. Mais elle ne sait pas que tu as suivi. Tu vois ça, tu vois la différence? C'est ce qui va garder beaucoup de croyants. Tu vois. Que notre époque aussi, elle est particulière comme celle de Lot et Noé, qui avait quelque chose de spécial. Et que j'ai compris que notre époque, c'est le mix des deux, en pire. Parce qu'il y a le croisement des espèces et l'homosexualité, ce qu'il y a actuellement. Donc c'est notre époque, c'est un peu le mélange de l'époque de Lot et Noé. Donc l'époque de Noé était dangereuse, l'époque de Lot était dangereuse. Les deux, dangereux et dangereux, ça fait quoi? Très dangereux. Très, très dangereux. Très bien, c'est bon. Autre chose, vous allez voir le résumé. Et ma mère, écoutez, la résumé, ça ce que j'ai aussi compris, c'est que à l'école, on voit que l'Empire romain, c'est fini, mais on est encore en plein dedans. On est toujours sur l'Empire romain, même les historiens savent que c'est l'Empire romain. C'est pour cela que c'est le pape qui commande le monde, c'est pas les autres plans là. C'est le pape qui commande le monde, d'accord? C'est lui qui nous apprend qu'on est dans une autre époque. On est dans une époque, mais avec le même empire. Donc c'est le pape qui commande, c'est pour ça que n'importe quoi, c'est pas sur la terre, il est là. Il n'a pas d'art. Mais il parle quelque part, les gens écoutent. C'est vrai. Pensez-y, c'est vrai. Le monde est. C'est bon là? Oui. Ouais. Tout a été dit. J'ai une seule chose à dire que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que le Seigneur va parfaire son œuvre en nous. Il va nous rendre sans tache ni ride. Lui-même. Exact. Après ça pour moi. Alors, qui va prier? On se tient debout, on prie. Comme ça, le frère accompagnant maman. Vous imaginez que si ça se manifestait déjà, c'est que maman m'a fait ça. Elle n'a pas besoin d'aller aller prendre le voiture. Elle disparaît, comme ça, elle est dans son lit. Les romantismes, il n'y a plus. Tout ceci, il n'y a plus. Il n'y a pas de retard, de vol. Père, tu es bon. Qui prie pour nous? C'est quand c'est Frédéric qui va prier. Viens alors, viens garçon, viens prier. Il est où? La vie, ça est là où? Viens alors. Prie pour tout le monde. Merci Seigneur. Merci, garde-nous. Fortifie-nous. Fortifie-nous pour ta route de Dieu, Seigneur.
cadeau pour papa, pour maman, mamie Alice, pour tata Yann, pour monsieur Roland, pour Nati, pour tata Frédéric, pour maman Hélène, pour Dana, pour Madeleine, pour Josué, pour moi, au nom de Dieu, amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. On se retrouve encore ici demain. Amen. Amen. Pour d'autres oracles. Amen. Selon que le Seigneur se posera. Oui, oui, demain soir, on pose des questions, si vous voulez. C'est à vous de voir. D'accord. C'est à vous de voir. Que le Seigneur vous bénisse.